Il y a quelques jours, nous apprenions la mort de Christian Poncelet, qui a connu l'itinéraire politique le plus durable du département, je pense tout au long du XXe siècle, puisqu'il avait été élu parlementaire député en 1962 et qu'il a siégé au Parlement jusqu'en 2014, c'est-à-dire pendant 52 ans, avec des interruptions pour entrer dans plusieurs gouvernements, notamment sous Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing au secrétariat du budget. Évidemment, Christian Poncelet, pour les Vosgiennes et les Vosgiens, a incarné comme personne peut-être avant lui, et on verra pour la suite, mais en tout cas a incarné avec une force indiscutable, une force de conviction, une énergie, une institution, le département des Vosges, le conseil général devenu conseil départemental, de 1977 à 1995, c'est-à-dire pendant 38 ans. À ce titre, il a évidemment sillonné les routes de tout le département. Il s'est battu pour équiper notre département, équiper en infrastructures, avec l'amélioration des dessertes routières, et c'est valable notamment dans le sens Épinal-Saint-Dié-des-Vosges, même si on n'est pas allé aussi loin qu'il l'aurait souhaité. Dessertes ferroviaires aussi, si nous avons le TGV dans le département des Vosges, nous savons à quel point nous le devons à Christian Poncelet. Dessertes en matière numérique, puisqu'il y avait eu cette décision à l'époque très innovante du département de créer des points de raccordement avec la fibre jusqu'à ces points de raccordement pour que chacun des domiciles puisse ensuite s'y connecter par le cuivre. Et puis de nombreux combats pour le développement économique de notre territoire, y compris en Déodacie. Et tout cela allié à un vrai humanisme, à une capacité de nouer l'échange avec tous les citoyens, quelles que soient leurs conditions sociales, leur âge, leur niveau de mandat. Bref, c'est vrai que pour les Vosgiens, c'est une perte qui est ressentie très durement et un exemple qui est à méditer pour chacun, celui du combat. La vie est un combat, ceux qui vivent sont ceux qui luttent, disait souvent le président Poncelet. C'est cette maxime, sans doute, qu'il nous lègue pour les Vosges, cette idée que il n'est pas toujours nécessaire d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. Eh bien, battons-nous pour les Vosges dans l'esprit qui était le sien. Et je vous invite à avoir une pensée pour lui en respectant une minute de silence. Je vous remercie. Et puis sur un autre registre, mais à titre très, très personnel, je voulais remercier ceux et celles qui, dans la salle, à qui je n'ai pas toujours encore répondu, se sont associés à un deuil que j'ai vécu dans ma famille, il y a désormais presque un mois. Merci à vous, parce que quels que soient les liens qui nous relient les uns les autres, ça m'a fait chaud au cœur. Et chacun sait ici, pour avoir vécu, pour beaucoup d'entre vous, une épreuve comme celle-là, que les témoignages d'affection permettent de rester accroché à la vie quand on est ébranlé. Donc on va commencer par les points d'information, qui sont essentiellement des informations sur les attributions de subventions. Donc on a conclu avec l'agence de l'eau Rameuse une convention d'un montant d'aide maximum de 104 500 euros qui porte sur la mission d'animation de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations pour l'année 2020. Donc c'est essentiellement du financement d'ingénierie, donc d'emploi pour cette compétence GEMAPI dont on va reparler un peu plus tard dans notre conseil communautaire. Pour le projet de valorisation patrimoniale et touristique du château de Pierre-Percé, nous avons reçu un courrier nous informant de l'attribution d'une subvention de la région Grand Est d'un montant de 127 119 euros
au titre du dispositif patrimoine classé au titre des monuments historiques. Nous avons également reçu un courrier de la région Grand Est nous attribuant une subvention de 15 520 euros dans le cadre de la réflexion urbaine sur la ville de Saint-Dié-des-Vosges pour Action Cœur de Ville. Nous avons reçu un courrier du Conseil départemental des Vosges nous attribuant une subvention de 15 428 euros dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat. Un courrier du Conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle nous attribuant une subvention de 7 500 euros pour la mise en œuvre d'actions au titre des espaces naturels sensibles. Un courrier nous informant de l'attribution d'une subvention de la Direction régionale des affaires culturelles, c'est-à-dire de l'État, pour la restauration de deux tableaux du musée Pierre Noël pour un montant de 1248 euros. Et puis, pour information, donc, cette année, comme nous en avons décidé l'année dernière, c'est la communauté d'agglomération qui prendra en charge la contribution des communes membres pour le SDIS, ce qui fait pour cette année un montant de 2 214 962 euros et 51 centimes. Avant de faire l'appel, je crois que c'est avant, il faut que je procède à l'installation, enfin nous allons procéder à l'installation d'un conseiller communautaire. Je vous informe que j'ai reçu le 23 juillet 2020 un courrier de M. Jean-Marie Baradel, qui m'informait, donc élu de la ville de Fraise, qui m'informait de sa démission de sa responsabilité de conseiller communautaire. C'est donc M. François Florent Didier qui le remplacera pour la commune de Fraise, puisque la loi précise que c'est un conseiller municipal du même sexe, élu sur la même liste, qui doit représenter le conseiller communautaire démissionnaire. C'est donc le cas de M. François Florent Didier, qui est au fond. Voilà, qui se lève pour qu'on puisse l'identifier. Bienvenue à vous, chers collègues, parmi nous. Je vais faire l'appel, si je retrouve la liste à temps. Il faut que je reprenne les bonnes habitudes. Je ne sais pas si elles sont bonnes, mais enfin, en tout cas, les habitudes tout court de la liste d'appel. Attendez, est-ce que je l'ai mise ? Est-ce qu'on peut peut-être me la ramener, parce que je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je dois avouer que, pour le coup... Voilà. Merci, Eric. Excusez-moi. Parfait. Merci beaucoup. Didier Agusti, pour la commune de Denis-Père. Peut-être... Voilà. Présent. Serge Allem, pour la commune de Bansa. Francis Altan pour la commune de Belleval. Donc c'est Patricia Vestamer qui représente la commune de Belleval, adjointe au maire. Éric Aubert, il n'est pas là. Marie-Christine Cassio représente la commune de Le Saulcy. Edith Augusto pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges. Peut-être vous pouvez dire présent, j'entendrai. Sinon, on va vous chercher. Donc, Jean-Yves Ozen pour la commune de La Croix-aux-Mines est excusé. Aurélien Bancette pour la commune d'Étival-Clairefontaine. François-Florent Didier pour la commune de Fraise. Annie-Marie Barthes est excusée pour la commune de Combrimont. Jean-Luc Béverina pour la commune de Senone. André Boulangeau pour la commune de Sainte-Marguerite. Jean-Paul Boulanger pour la commune de La Houssière. Steve Brenet pour la commune de Provencher et Colroy. Jean-François Bruel pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges. Christian Cael pour la commune de Corcieux, Jacques Caverzesi pour la commune de Bois-de-Champs, je n'ai pas vu Jacques, Pierre Chachet pour la commune de Tintru, Régine Chinouille pour la commune de Le Puy, Francis Schnita pour la commune de Bionville, Dominique Chaubeau pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges, Marie-Hélène Chrétien pour la commune de Senone, Jean-Claude Courrier est excusé et a donné pouvoir à Jean-Jacques Marchal pour la commune de Moyen-Moutier, Jean-Marie Cuny pour la commune de La Petite-Fosse, Colette Dauphin pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges. Marie-Claire Delmastro est excusée. Alain Demange pour la commune d'Anould. Christian Demange pour la commune de Saint-Jean-d'Ormont. Stéphane Demange pour la commune de Ban-de-Lavelines. Sylvia Didier de Fraisse pour la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy. Delphine Ducret pour la commune de Moyen-Moutier. Dominique Duhaut pour la commune d'Entre-deux-Eaux. Virginie Dupont pour la commune de Raon-l'Étape. Sylvie Févet pour la commune d'Étival-Clairefontaine. Gina Filogonio pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges, Brigitte Gamin pour la commune de Chata, Romain Gagné pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges, je ne l'ai pas vu, Claude Georges pour la commune de Saint-Rémy, Annie Girardin pour la commune de Nonpatelize,
Gérardin, pardon, Annie, excusez-moi. Jean-Marie Glet pour la commune de Père-et-Grand-Rue. Jean-Michel Grand-Mère pour la commune de La Salle. Moustapha Guglu pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges. Nadia Guida pour la commune de Sainte-Marguerite. Denis Guyon pour la commune de Pierre-Percé. Alain Haas pour la commune de La Grande-Fosse. Christian Arenza pour la commune de Grand-Rue. Amélie Enburger pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges. Brigitte Henry pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges. Denis Henry pour la commune de Bifontaine. Denis Henry de Raon-sur-Plaine a donné procuration. Donc c'est Philippe Rousset qui représente la commune de Raon-sur-Plaine. Patrick Herriot pour la commune du Mont. Jacques Estin pour la commune d'Anould. Denis Huin pour la commune de La Bourgonce. Jacques Jallet pour la commune de Saulcy-sur-Meurthe. Bartek Jurek pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges. Claude Kiner pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges. Bertrand Klein a donné donc procuration à Jean-Daniel Aigle pour représenter la commune de Mousset. Jean-Georges Keller de Le Vermont est excusé. Alex Comadina pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges. Jean-Marie Lalandre pour la commune du Belay. Patrick Lalvé pour la commune de Plainfin. Virginie Lalvé pour la commune des Arentaises de Corcieux. Daniel Lallemand pour la commune de Ménil-de-Senonne. Emmanuel Laurent pour la commune de Mandray. David Laxenaire pour la commune de Romomex, Lionel Leclerc pour la commune de Mortagne, Fabrice Rebello-Goncalves pour la commune de Vienville, Françoise Legrand pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges, Anthony Lemaire pour la commune de Coinches, Caroline Lerognon pour la commune de Fraise, Bernard Liégeois pour la commune de Barbès-Roux, Marc Madédu pour la commune de Saint-Léonard, Jean-Jacques Marchal pour la commune de Moyen-Moutier, Lucette Marchal a donné pouvoir à William Matisse. William Matisse pour la commune de Saint-Michel-sur-Meurthe. Étienne Maire pour la commune de Raon-les-Laux. Je ne l'ai pas vu. Laure Moulin pour la commune d'Anould. Jacques Nicole, donc c'est Charline Prince qui a la procuration de Jacques Nicole pour la commune de Bertrémoutier. Jean-Marie Nicole pour la commune de Saint-Staille. Laurent Paris pour la commune de Lubine. Raoul Partage pour la commune de Lesseux. Benoît Pierrat pour la commune de Raon-l'Étape. Julien Pierre Alabol pour la commune de Raon-l'Étape a donné procuration à Françoise Legrand. Charline Prince pour la commune de Frapelle. Caroline Privat-Mathioni pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges. Guillaume Prunier-Duparche pour la commune de Luvigny. Jean-Pierre Quinanzoni pour la commune de Fraise. Jean Rabol, donc c'est Valérie Perrin qui représente la commune de La Petite-Raon. Marie-Christine Régnier pour la commune de Vexincourt. Christine Ris pour la commune de Selles-sur-Plaine. Bernadette Riva pour la commune des Rousseaux, Bernard Rop pour la commune de Lavoivre, Jean-Louis Rop pour la commune de Vieux-Moulins, Gérard Roudeau pour la commune de Luce, Jacques Rouillère pour la commune de Jemingoutte, Philippe Salerio pour la commune de Raon-l'Étape, Pierre Sarrazin pour la commune d'Alarmont, Bouris Sec pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges, Nicolas Simon pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges, Annabelle Soudière pour la commune de Némont-les-Fosses, Jean-Luc Thirier pour la commune des Poulières, Bernard Thomas pour la commune de Gerbépale, Daniel Tisserand pour la commune de Neuville-sur-Fave, Bruno Toussaint pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges, Carole Trarbac pour la commune de Raon-l'Étape, Jacques Valence pour la commune de La Chapelle de Vambruyère, Patrick Villaume pour la commune d'Urbache, Annick Wenger pour la commune de Visambas, Jean-Marie Vanderscher pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges, Patrick Vouriot pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges est excusé à donner procuration à Bruno Toussaint. Fanny Wagner pour la commune de Saulcy-sur-Meurthe, je ne l'ai pas vu. Et Patrick Zanqueta m'a donné procuration. C'était un peu fastidieux d'associer le nom des communes, mais ça permet aussi de mémoriser certaines identités pour les uns et les autres. Je vous propose, mes chers collègues, que nous désignions, je ne sais pas, peut-être Gina Filogonio comme secrétaire, si elle l'accepte, Madame la vice-présidente, si ça ne vous embête pas. Oui. Pas d'opposition, pas d'abstention. On peut commencer nos travaux. Donc le premier point à l'ordre du jour appelle l'approbation du compte-rendu du Conseil communautaire de la séance du 11 juillet 2020. Je vous rassure, celle-ci sera plus courte, sauf surprise majeure. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui, monsieur Alain Demange, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tous. Simplement, je trouverais regrettable...
que pour les résultats de certains budgets, on ne mette pas, disons, le budget primitif, le résultat, enfin, le budget supplémentaire et le budget définitif. Comme ça, on pourrait s'apercevoir que sur le budget général, on présente un budget général avec une perte de 3 259 233. Voilà, c'est tout. Là, je trouve quand même regrettable. Alors, est-ce que c'est fait exprès ? C'est pas fait exprès, je sais pas. Mais ça me paraît drôle quand même. Je crois que c'était comme ça l'année dernière et les années précédentes, quand vous étiez bien en responsabilité pour décider de la manière dont on procédait, chers collègues. C'est-à-dire que beaucoup de personnes sont arrivées, ils ne connaissaient pas du tout le budget, donc on leur met un budget supplémentaire. Donc, moi, à mon avis, on met le budget primitif, le budget supplémentaire et le budget avec le résultat. Voilà. Alors, est-ce que c'est pour cacher quoi que ce soit ? Je ne sais pas. Mais, voilà. Si vous vouliez cacher des choses les années précédentes, en tout cas, c'est comme ça que vous aviez fait, oui, c'est sûr. S'il y a d'autres questions, il n'y en a pas. Donc, on peut passer au vote sur ce compte-rendu. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le premier point à l'ordre du jour appelle l'examen, la présentation du projet culturel de territoire. Donc, c'est l'aboutissement d'un très gros travail des services, des associations, des élus. Madame la vice-présidente déléguée à la culture, à la mémoire, aux grands événements, je vous donne la parole. Merci, monsieur le président. En préambule, une petite introduction pour vous indiquer quelque chose que vous savez, vous êtes déjà convaincu. La culture est un élément fort pour développer l'attractivité de notre territoire. Avec la prise de compétence culture à l'échelle de l'agglomération en octobre 2017, nous avons ressenti la nécessité de renforcer l'équilibre territorial dans tous les domaines, que ce soit au niveau de la musique, de la lecture publique, des patrimoines et musées, du spectacle vivant et des arts plastiques. Le travail en réseau nous est apparu comme nécessaire afin d'avoir une véritable cohérence entre tous les équipements, coordonner les événements pour éviter les conflits de calendrier, comme il est aussi indispensable d'avoir une meilleure visibilité, une communication attractive et accessible. Pour faire prendre conscience aux habitants de la richesse de l'offre culturelle, sans pour autant proposer un catalogue d'offres juxtaposées, il était donc nécessaire d'avoir un véritable projet culturel de territoire. Donc la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a fait appel en 2019 au cabinet Enéis pour la réalisation d'un diagnostic culturel de territoire. Alors maintenant, je vais vous présenter, grâce au support d'un PowerPoint, si vous voulez bien le mettre en place, pour comprendre la démarche qui a été réalisée pour aboutir au projet culturel de territoire. Alors déjà, on va simplement rappeler les objectifs de la démarche, qui est celui de positionner, donc on va passer les pages, positionner la culture comme un levier du développement social, de l'attractivité et du rayonnement du territoire. Vous pouvez passer cette page, passer la suivante. Voilà. Donc il s'agissait d'identifier et déterminer les atouts et les forces du territoire, proposer une politique culturelle territoriale et transversale et fédérer l'ensemble des acteurs culturels locaux. Alors cette démarche avait pour but d'aboutir à l'élaboration de 3 documents importants pour réaliser notre projet culturel. Donc le projet culturel de territoire en lui-même, pour faire ressortir la politique culturelle communautaire et ses conditions de mise en œuvre, et s'appuyer également sur 2 contrats, un contrat territoire lecture, que je vais nommer CTL, pour initier des partenariats pluriannuels autour de la lecture publique, et également un contrat territorial d'éducation artistique et culturelle, que je vais nommer CTAC, pour initier des partenariats afin de garantir l'accès à la culture pour tous les jeunes dans tous les champs culturels. Donc en fait, si vous voulez bien passer la diapositive suivante, les travaux ont été réalisés pendant toute une période qui s'étale d'octobre 2019 à décembre 2019. Ça, c'est la phase 1 des travaux. Où on a réalisé un certain nombre d'entretiens qui ont été menés par téléphone ou en visuel. Ces entretiens sont adressés à la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et aux communes, alors à tous les services, hein, services culturels, mobilité, politique de la ville, etc. Je n'ai pas tous les détaillés. Et également les élus tous les partenaires institutionnels, le ministère de la Culture, la DRAC, le conseil régional, le conseil départemental, l'agence culturelle du Grand Est,
On est allé même sur le parc naturel du Ballon des Vosges, les médiathèques départementales des Vosges, etc. Et on s'est adressé également aux associations et acteurs culturels du territoire, donc toutes les associations qui ont une importance au niveau du territoire, et également les bibliothèques du réseau intercommunal. Il y a eu également, pour réaliser ces travaux, deux enquêtes en ligne qui ont été diffusées sur un mois à destination des communes et des acteurs culturels. Et enfin, on a organisé le Forum territorial de la culture qui a lieu le 4 décembre 2019, où il y a eu 60 participants, il y avait des élus, des partenaires institutionnels et des membres d'associations qui ont travaillé sur des ateliers thématiques, l'enseignement artistique, la lecture publique, le spectacle vivant, patrimoine et musée. Donc une fois qu'on a fait tous ces travaux-là, on a attaqué la deuxième phase des travaux, donc de janvier-février 2020 à aujourd'hui, mois de septembre 2020, qui ont permis d'élaborer la charte culturelle. Donc il a fallu tout d'abord valider les axes stratégiques qui ont été définis dans la charte culturelle en comité de pilotage. Ensuite, il y a eu des groupes de travail, quatre groupes de travail sur tous les pôles que j'ai cités précédemment. Et on a pu ainsi rédiger des axes opérationnels de la charte sous forme de plan d'action. Ensuite, on a eu un accompagnement qui a été réalisé pour l'élaboration du CTL avec les visites des bibliothèques du réseau, avec des entretiens qui ont été faits dans toutes ces bibliothèques, des réunions techniques et donc un accompagnement à la rédaction du CTL. Ensuite, un accompagnement à l'élaboration du CTEAC avec des groupes de travail sur le même principe, et groupes de travail et accompagnement. Et ensuite, on a eu donc en septembre 2020 la restitution de la démarche. Alors, pour rappeler un peu les enjeux pour la politique culturelle, un petit résumé des retours qui ont été réalisés dans cette concertation. Au niveau des entretiens qualitatifs, il en est ressorti qu'il y a un environnement culturel qui est fertile et dynamique, qui a besoin d'améliorer une mise en réseau de l'offre culturelle pour avoir davantage de visibilité et de lisibilité de l'offre et de structurer la dynamique associative. Également, donc, les enquêtes en ligne ont permis de faire ressortir que l'offre culturelle est riche et diversifiée et qu'il y a vraiment une forte attente sur une meilleure répartition entre l'urbain et le rural, mais que cependant, il y a quand même des manifestations qui arrivent à mailler tout le territoire et qu'il y a tout un travail à réaliser pour améliorer la communication et la connaissance et la coordination entre les acteurs. Le forum, outre tous les éléments que je vous ai cités auparavant, qui sont aussi également ressortis dans les entretiens du forum, il est à noter qu'il y a vraiment une nécessité d'améliorer l'accessibilité avec le mariage territorial, une accessibilité qui est également financière pour permettre d'accéder à tous les pôles culturels, mais aussi de lever des freins de certaines populations, des freins qui n'osent pas franchir les portes des théâtres et qui n'osent pas aller vers la culture. On a relevé aussi l'importance de la coordination entre les acteurs culturels, associatifs et professionnels et l'importance du soutien au secteur associatif qui est très important sur la communauté d'agglomération. Donc après, nous avons donc fait un travail sur les enjeux du projet culturel de territoire, sur les différents pôles, que ce soit déjà au niveau de l'enseignement artistique. Donc au niveau de l'enseignement artistique, nous avons un enseignement musical qui est très solide, qui est déjà très bien organisé en réseau, qu'il s'agit de pérenniser. On a également un enseignement artistique qui est porté par des associations qui sont très actives, ces associations ont besoin d'une professionnalisation, d'un accompagnement et aussi de renforcer le mariage entre les associations et les structures professionnelles. Et puis, la priorité de l'EAC, l'éducation artistique et culturelle, a été réaffirmée par tous ces acteurs pour ouvrir l'enseignement artistique à d'autres publics via le contrat territorial d'éducation artistique. Ensuite, en ce qui concerne la lecture publique,
Nous avons donc la nécessité d'avoir une offre de lecture publique renforcée. Aujourd'hui, nous avons un bon maillage, une structuration du réseau qui est en cours, mais on a besoin aussi de renforcer toutes les petites bibliothèques relais et les relations avec le réseau. Nous avons une offre intégrée au territoire, mais il y a aussi des réflexions à poser sur certains équipements qui sont peu adaptés au public d'aujourd'hui. Ben, je pense notamment à toutes les problématiques d'accessibilité. Nous avons donc une offre en développement au service du territoire, en cours, notamment avec le contrat territoire lecture, dont on parlera tout à l'heure, et la mise en place de la boussole, qui est actuellement le projet phare, qui aura un fort rayonnement sur la communauté d'agglomération. Sur le volet patrimoine et musée, nous avons une offre muséale et patrimoniale qui est plurielle, mais il nous appartient aussi de la clarifier et de porter cette politique à l'échelle de tout le territoire. La valorisation de l'offre patrimoniale regroupe des enjeux qui sont à la fois ceux de la culture, du tourisme et de l'identité du territoire. Donc une valorisation est nécessaire pour rendre le patrimoine beaucoup plus visible à la fois pour les touristes et pour les habitants du territoire. Et il y a aussi de nombreux projets qui sont en cours et qui participent à la reconnaissance de la communauté d'agglomération. Alors j'ai déjà cité la boussole, mais il y a également le château de Pierre Percé et le centre de Mousset. Donc voilà un petit peu pour ces pôles-là. Encore le spectacle vivant. Alors au niveau du spectacle vivant, il y a une nécessité de coordination de l'offre du spectacle vivant en raison d'une programmation qui est assez dense et assez riche, qui est portée par une multiplicité d'acteurs, des associations, des acteurs professionnels. Et donc, il y a vraiment des enjeux sur la programmation des équipements de la communauté d'agglomération. Enfin, en deuxième point, il y a lieu d'articuler le rayonnement de l'offre de la ville-centre avec les enjeux de diffusion de la culture sur le territoire. Alors donc, en fait, le spectacle vivant a un fort potentiel de développement. Aujourd'hui, à l'extérieur du territoire, il y a beaucoup de publics qui viennent, qui fréquentent les salles de spectacle, mais il y a un point de vigilance à apporter sur justement l'équilibre de l'offre pour les habitants et l'accessibilité du spectacle vivant par tous les habitants. Alors cette croissance, elle doit passer par la diversification des publics et des disciplines programmées et des lieux de diffusion. C'est pourquoi nous commençons à travailler sur des décentralisations dans l'agglomération. Ça a été présenté donc lors de l'ouverture de saison vendredi dernier. Au niveau des arts visuels, nous avons une prise de compétences récente qui est à concrétiser, et notamment avec le transfert des équipements et le rayonnement de ces équipements au niveau intercommunal. Et puis, au niveau du cinéma, il y a une forte attente de la part de la population sur ce sujet-là, avec une offre qui était assez insuffisante sur la ville-centre, mais qui est quand même couverte grâce à des associations. Alors, il y a également, sur ce projet culturel de territoire, des enjeux transversaux. Il y a une richesse de l'offre culturelle qu'il s'agit de consolider, comme on l'a vu, en la coordonnant, en la rendant plus visible, en amenant les acteurs à échanger entre eux. Et le fort enjeu, c'est de promouvoir la connaissance du territoire de l'agglomération et des différents acteurs qui sont présents et de leur rôle pour mener une politique culturelle cohérente. Alors, également, à l'échelle de la cohérence et de la cohésion à l'échelle du territoire vaste, nous avons donc une politique qui est cohérente, partagée et transversale, qui est équilibrée. Et il y a des projets d'envergure qui peuvent, comme on le sait, qui jouent un rôle fédérateur d'entraînement pour le territoire. Je pense notamment au Festival international de géographie. Le secteur culturel, on l'a dit, participe à l'attractivité du territoire. Il le dynamise. Il permet de valoriser ses espaces. Il crée du lien social. Il permet aussi de découvrir le patrimoine. C'est une activité économique ou touristique qui est un facteur de rayonnement de l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Alors, les enjeux de cette charte culturelle, ça a été de dégager des différents axes qui sont des formes d'engagement. Déjà, le premier engagement, c'est de porter une union territoriale. Le second engagement est d'agir en appui de ces forces vives.
Le troisième engagement est de viser la diffusion d'une culture inclusive et accessible et de promouvoir la reconnaissance du territoire. Donc, ça se décline donc dans la charte culturelle. Donc je vais essayer d'aller assez vite parce qu'autrement ça va être un petit peu fastidieux de m'écouter, mais je vous dis aussi que si vous souhaitez avoir l'intégralité de documents, je suis prête à vous l'envoyer afin que vous en preniez connaissance. Alors au niveau de la portée, pour porter une union territoriale, au niveau des actions opérationnelles que nous pouvons mettre en place, c'est l'affirmation de la place des équipements intercommunaux, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la politique culturelle. Alors il faut la poursuite de la structuration en réseau de la lecture publique, l'affirmation du musée Pierre Noël en tête de réseau sur la politique patrimoniale, l'évolution de la programmation et de la gestion des équipements de diffusion gérés par l'agglomération. Alors pour, on souhaite créer aussi un groupe de travail regroupant les services culturels, enfin on l'a déjà mis en place, mais ce groupe de travail permet de travailler sur une programmation transversale qui est jalonnée pendant toute l'année. Il est important aussi de recenser l'information et de centraliser la communication à destination des acteurs culturels et des habitants. Voilà pour le premier engagement. Le second engagement, agir en appui de ces forces vives. Donc, pour coordonner la richesse de la vie associative et faciliter les échanges entre les acteurs et rendre plus visible l'offre culturelle. Donc on propose la rédaction, la diffusion d'une charte de la vie associative permettant de poser les bases de la structuration et de la coordination de la vie culturelle associative et d'organiser un forum annuel territorial de la culture donc pour fédérer les territoires et puis pour partager les informations et cette occasion-là aussi permettre de développer les projets transversaux. Et puis également, quelque chose qui sera extrêmement utile, c'est d'avoir un agenda partagé qui permettra d'avoir des échanges pour tous les porteurs de projets culturels sur le territoire. Et ensuite, il nous paraît aussi important de définir un fil rouge pour la politique patrimoniale du territoire avec des modalités de travail entre les acteurs pour le développement de projets et pour la valorisation de tous ces acteurs de façon partagée. Maintenant, pour l'engagement numéro 3 dont nous a parlé, il s'agit donc de viser la diffusion d'une culture inclusive et accessible. Alors, l'objectif, c'est de favoriser l'intégration de l'éducation artistique et culturelle avec l'action culturelle de l'agglomération et de poursuivre l'effort de diversification des publics. Sachant que c'est vraiment des choses qui sont très attendues par le ministère de la Culture. Donc, le but, c'est de soutenir le déploiement de l'offre sur tout le territoire et de développer le hors les murs avec la mise en place d'un socle d'outils et des informations qui permettent de le faire. De favoriser l'accessibilité de certains publics, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, l'accessibilité financière et géographique. Et de coordonner l'éducation artistique et culturelle pour tout le territoire via un dispositif qui sera donc qui a visé de coordonner la politique de l'éducation artistique et culturelle et le contrat territorial d'éducation artistique et culturelle. Voilà, donc pour cet engagement numéro 3, voilà un petit peu, on a fait le tour. Maintenant, je parle du. L'engagement numéro 4, qu'il s'agit de promouvoir la reconnaissance du territoire, dont les objectifs stratégiques est de s'appuyer sur les sites structurants et rayonnants du territoire et en faire une vitrine de l'agglomération et de promouvoir également la participation des habitants. Alors pour cela, on va travailler en lien avec les offices de tourisme pour créer des outils de valorisation, pardon, et notamment la mise en place d'une frise chronologique qui permettra d'identifier les différents sites en fonction de leur histoire et qui pourra permettre aussi de valoriser certains sites patrimoniaux comme les abbayes, le centre de mémoire, à l'aide de guides et une signalétique adaptée. Nous animons aussi, nous créerons des partenariats entre les équipements culturels du territoire via un dispositif de jeunes ambassadeurs de la culture.
Et puis, nous participerons à l'intégration des réseaux régionaux. C'est important pour dépasser les échelles du territoire, les réseaux nationaux et également avoir une réflexion sur des conventionnements ou des labels que nous pourrions obtenir pour certains équipements et également pour favoriser l'accessibilité des acteurs culturels du territoire aux financements régionaux. Voilà, donc ce petit focus qui a été fait sur ce projet culturel de territoire. Et ce projet s'appuie également sur l'élaboration, vous pouvez passer un petit peu plus loin, sur l'élaboration de piliers importants, qui sont le contrat territoire lecture et le contrat territorial d'éducation artistique et culturelle. Alors, le contrat territoire lecture, c'est un dispositif qui vise à initier des partenariats autour du développement de la lecture publique sur les territoires. Alors, en fait, ce sont deux contrats, hein, je les présente l'un à côté de l'autre, dont vous avez pu prendre connaissance dans les annexes. Le premier contrat, le contrat territoire lecture, on propose de signer ce contrat avec la DRAC du Grand Est, la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. C'est un contrat qui s'établit pour 3 ans et qui est donc piloté par qui a besoin d'un coordinateur pour le piloter et qui sera organisé avec un comité de pilotage qui pourra suivre les évolutions de ce dispositif. Alors l'objectif du CTL, c'est de structurer et d'animer le réseau de lecture publique intercommunale. Alors avec toutes les bibliothèques intercommunales du réseau, de favoriser l'accès à la lecture et à la culture des publics spécifiques et de développer la médiation en particulier par le biais de l'éducation artistique et culturelle. Voilà, donc l'élaboration du CTL, on va donc aller jusqu'à travailler avec des réunions de travail qui seront dédiées avec l'équipe de la direction et les partenaires de la culture, avec bien sûr... la visite des bibliothèques du réseau et la rencontre avec les équipes, ça c'est un travail qui a été mené pour élaborer ce contrat. En ce qui concerne le contrat territorial d'éducation artistique et culturelle, alors il s'agit donc, c'est aussi quelque chose qui est un contrat qui est soutenu par la DRAC, également par le rectorat d'Ancy-Metz et par le conseil départemental des Vosges, qui donc s'est signé avec ces partenaires-là et la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, pour une durée de 3 ans, avec la même formule de pilotage, avec un coordinateur au sein de la communauté d'agglomération, un comité technique et un comité de pilotage. Alors l'objectif du contrat territorial d'éducation culturelle, c'est une volonté forte de l'État, de garantir l'accès pour tous les jeunes à une éducation artistique et culturelle sur l'ensemble du territoire, de pouvoir assurer l'égalité des chances en garantissant cette diversité, que ce soit au niveau urbain ou rural, de faire découvrir les ressources culturelles du territoire, ces ressources-là, mais encore au-delà, et évidemment d'accroître l'activité du territoire par le développement de cette offre culturelle de qualité. Alors, l'élaboration du CTEAC, c'est une thématique qui a été abordée au Forum de la culture et qui a été réaffirmée comme prioritaire, je l'ai dit à l'instant. Voilà, donc, pour ces deux contrats qui s'appuient, sur lesquels on s'appuie pour ce projet culturel de territoire. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui, William, monsieur le conseiller communautaire et maire de Saint-Michel-sur-Meurthe. Oui, tout d'abord, merci d'avoir choisi ce lieu pour notre débat, nos débats officiels, alors que la réunion des maires se tenait à Mitterrand. Le lieu est quand même bien plus agréable acoustiquement, on se comprend. On s'entend et c'est quand même bien agréable.
Sur la présentation qui vient de nous être faite, bien sûr, on ne peut qu'adhérer à la démarche. Simplement, je dirais que ce genre d'étude est fait d'un vocabulaire convenu qu'on retrouve dans beaucoup d'études et qui n'est pas forcément explicite pour tout un chacun. Alors, il est question d'équipement, il est question de personnel de tel ou tel équipement. Peut-être faudrait-il rappeler pour nos collègues qui arrivent que ces équipements, qui sont des équipements à l'origine communaux, subissent ou non un transfert, que leur personnel sont rémunérés, mais qu'il y a un retour sur l'attribution de compensation pour certains. Tout cela pour éviter des réflexions plus ou moins erronées par rapport à ce genre de choses. Voilà. Merci, monsieur le maire. Claude, tu voulais répondre Par rapport au vocabulaire, vous voulez dire les précisions qu'il faudrait apporter? J'ai pas très bien compris, en fait, ce... C'est un vocabulaire qu'on connaît dans toutes les études, renforcer, créer une dynamique, etc., etc. On connaît ça par cœur. En un mot, je pense qu'il faut faire en sorte que les équipements culturels ou de lecture puissent travailler ensemble pour avoir une meilleure efficience. C'est grosso modo l'essence même de ce travail. Maintenant, par rapport aux équipements qui, telle bibliothèque originaire de Senone, telle bibliothèque, telle médiathèque, montée par qui, financée comment, etc. Mais en trois mots, pour simplement clarifier dans l'esprit des personnes ici présentes, de toute façon nouvellement présentes plutôt, le fonctionnement exact à l'impact financier. Eh bien, en fait, les différents pôles sont organisés avec des têtes de réseau. En fait, au niveau de tout ce qui est lecteur public, musée, conservatoire, tous les pôles culturels sont en tête de réseau. Et donc, en fait, elles travaillent en partenariat avec les autres structures qui sont, par exemple, au niveau de la lecture publique, vous avez donc des médiathèques qui sont dans le réseau, donc à Senone, Étival, Raon-l'Étape, Fraise, Saint-Dié-des-Vosges. Donc en fait, ces structures-là font partie donc du réseau et elles travaillent donc en bonne intelligence et c'est la même chose pour le conservatoire également. Donc on a la même chose, on peut dupliquer cette démonstration sur les autres, tous les pôles culturels. En fait, l'idée, c'est d'avoir une sorte d'homogénéité entre l'offre culturelle. Et alors, voilà, si je peux résumer, pour donner un exemple, par exemple, donc, si on travaille vraiment au niveau de la lecture publique sur ce qu'on va arriver à faire avec la mise en réseau, c'est-à-dire qu'on va pouvoir emprunter un livre, par exemple, à Étival, et le rendre... par exemple à Saint-Dié-des-Vosges ou alors à Raon-l'Étape. Donc ça permettre d'avoir une meilleure accessibilité sur ces équipements-là. Et la même chose, alors c'est un peu différent sur si on veut parler des conservatoires, mais au niveau des conservatoires, vous avez déjà un travail qui est mené avec une porosité des projets qui sont entre les différents établissements où il n'y a pas du tout de cloisonnement entre les différentes structures, par exemple entre la nef et par exemple le conservatoire de Fraise, des conservatoires de musique qui travaillent déjà ensemble et qui peuvent mener des projets ensemble. Et l'idée, c'est d'avoir une homogénéité dans la méthode et dans les méthodes de travail également. Donc c'est pareil au niveau de la lecture publique, on va en parler, mais il y aura des outils qui permettent aussi d'avoir la même gestion, alors qu'auparavant, chacun avait son logiciel de gestion, ce qui permettait on ne pouvait pas travailler en réseau, donc maintenant on va travailler de manière globale avec le même logiciel, le même portail,
afin d'avoir les mêmes catalogues et de pouvoir être vraiment sur le territoire, d'avoir une véritable homogénéité dans tous les pôles culturels. Voilà, j'ai parlé aussi tout à l'heure du spectacle vivant, la même chose. Vous avez la ville-centre, évidemment, qui concentre les équipements, mais l'idée, c'est aussi qu'on puisse irriguer le territoire en proposant sous des formes plus légères, de pouvoir avoir des dates, des choses qui peuvent être mises en place dans des communes qui ont pas du tout la structure au niveau technique pour pouvoir organiser ce type d'événement et qui permettent d'irriguer le territoire de la communauté d'agglomération ainsi. Donc c'est important d'avoir tout ce travail qui va être mené entre les différents acteurs pour qu'on puisse avoir une véritable homogénéité, symbiose. Voilà, je vous ai parlé tout à l'heure aussi des sites patrimoniaux. C'est également la même chose. Donc avec le musée qui sera aussi tête de réseau et qui permet d'avoir une cohérence sur l'ensemble du territoire et mener des actions, comme on le voit aujourd'hui pour les journées du patrimoine. Donc en fait, il n'y a pas des communes qui travaillent chacune dans leur coin et on a véritablement une cohésion et un fil rouge qui s'égrène sur toute la politique culturelle du territoire. Ça, c'est la réponse à la première partie. On a bien compris, être plus efficient, travailler ensemble, etc. La deuxième partie, je rappelle encore une fois pour ceux qui découvrent, bibliothèque de Snone, je parle des bibliothèques à titre d'exemple, mais aussi les équipements culturels autres, hein. Bibliothèque de Snone, bibliothèque d'Étival, sont-ils des équipements, je sais, mais sont des équipements communaux, intercommunaux, transférés, qui fonctionnent comment au point de vue financier? Pour éviter toute mauvaise interprétation, que ça soit clair dès le départ. Il y a l'origine d'un équipement communautaire. Il y a deux origines possibles. Soit c'est un équipement qui a été créé par une ancienne communauté de communes ou par la communauté d'agglomération, auquel cas, c'est évidemment à la charge à 100% de l'intercommunalité. Soit cet équipement était d'origine communale, il a été transféré dans une intercommunalité à fiscalité propre, ce qui, pour mémoire, n'était le cas que d'une seule intercommunalité au moment où nous avons fusionné. Et dans ce cas-là, il est retiré, le coût de fonctionnement de cet équipement qui a été transféré est retiré des attributions de compensation. C'est-à-dire que, à part dans les intercommunalités qui avaient une fiscalité propre, c'est-à-dire l'ancienne communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges avant 2017 et depuis 2014, dans tous les autres cas, tous les équipements culturels, hormis ceux qui ont été transférés depuis 2017, tous ceux qui sont arrivés dans le giron en 2017 étaient financés à 100% par l'agglomération, sans aucun transfert. Pour tout ce qui a été transféré depuis 2017, effectivement, on retire de l'attribution de compensation le montant de ce que la commune consacrait jusqu'à présent au fonctionnement de l'équipement communautaire. Voilà. Donc c'est le cas, par exemple, d'une partie des écoles de musique, c'est le cas des médiathèques, comme la médiathèque de Fraise. Alors si on dresse la liste, effectivement, ça permet d'incarner les choses et de faire exister pour les collègues. Le réseau des médiathèques, Claude l'a dit, ça concerne un certain nombre de communes de notre territoire qui sont communautaires. Évidemment, il y a d'autres médiathèques avec lesquelles on travaille, communales ou associatives. Saint-Dié-des-Vosges, Fraise, Senone, Étival-Clairefontaine, Raon-l'Étape. Ça, c'est pour les médiathèques. Pour les musées et le patrimoine, il y a le musée Pierre-Noël à Saint-Dié-des-Vosges et le musée de la Ménelle à Pierre-Percé, sur lequel il y a un salarié de l'intercommunalité et des collections qui sont intercommunales. Pour la question de la musique, donc on a là aussi un conservatoire qui regroupe l'ensemble des sites, donc de Saint-Dié-des-Vosges, de Fraise, de Bande-Lavelines, de Senone, d'Étival-Clairefontaine et de Raon-l'Étape. Et puis on finance, bien sûr, pour ce qui est de la musique, le syndicat mixte des arts vivants dans le secteur de Corcieux. Pour ce qui est du spectacle vivant, c'est effectivement essentiellement dans la ville-centre aujourd'hui, même si on peut financer des associations qui réalisent des performances de spectacle vivant. Je pense notamment à Helicop dans le secteur de la vallée du Rabodeau pour ce qui est des spectacles de musique. Pour le dessin et l'animation culturelle autour des arts plastiques, c'est essentiellement l'école de dessin de Saint-Dié-des-Vosges, mais c'est aussi le centre socioculturel de Provenchères-École-Roy, qui est un équipement communautaire,
Et puis on finance également des festivals, ça c'est plus pour l'événementiel, principalement le Festival international de géographie, le Festival de la Plaine et le Festival des abbayes, pour ce qui est des principaux financements. Et puis en complément de tout ça, dans la politique culturelle, il y a certaines subventions un peu plus modestes pour des associations qui assument des fonctions d'animation à caractère culturel. J'ai oublié dans les sites patrimoniaux, bien sûr, aux côtés des deux musées que j'ai cités, le site de La Halière à Selles-sur-Plaine et le site du Lensoir à Ban-sur-Meurthe-Clefcy, qui sont propriétés de la communauté d'agglomération, sur lesquels on investit régulièrement, mais pour lesquels des associations les animent au quotidien, avec un soutien plus ou moins fort sur le plan de l'ingénierie ou des subventions de la communauté d'agglomération. Voilà, je crois qu'on a... Là, c'est effectivement, ça incarne, c'est vrai. Merci beaucoup. Voilà, je crois qu'on a... Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, Didier, pardon, excuse-moi. C'est tellement loin qu'on en perd le prénom au cours du voyage. Ouais, c'est pas grave. Non, moi, je voudrais remercier Claude parce que j'ai entendu quelque chose tout à l'heure qui m'a fait plaisir. C'est qu'on pense au village et tu as dit que techniquement, s'il n'y en avait pas ce qu'il fallait, et je pense que c'est bien, de penser un petit peu que culturellement, ce serait intéressant de venir dans les villages. Donc, je tiens à te remercier. Voilà. C'est Merci vrai bien. Que dans la programmation de spectacles vivants, il y a désormais, c'est un peu nouveau, il y a des décentralisations qui sont prévues de certains spectacles. Il y en a déjà une qui est prévue à plein fin, une autre qui peut avoir lieu dans un autre village, comme ça a été présenté vendredi, lors de la présentation du spectacle vivant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, il n'y en a pas. Donc on peut délibérer sur ce projet culturel de territoire. Et encore une fois, merci à tous les élus qui se sont impliqués. Bien sûr, Pascal Mort... précédemment, Claude, tous les membres de la commission culture, les acteurs associatifs, les acteurs municipaux, toutes et tous qui ont permis d'aboutir à ce document ambitieux qu'il va falloir incarner, comme William l'a dit fort justement. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant porte modification des statuts des régies eau et assainissement. Je donne la parole à monsieur Jean-Louis Roff, vice-président délégué à l'eau et à l'assainissement. Merci, Président. Bon, comme vous le savez, depuis le 1er janvier, tout le monde le sait, la compétence au assainissement a été transférée à la commune d'Aglo. Suite à cela, et déjà même auparavant, il avait été mis en place un conseil d'exploitation issu de 18 conseillers communautaires et 3 conseillers municipaux, donc qui permet de travailler, de rendre des comptes, c'est, disons, de prévoir et de donner des avis pour que ça puisse remonter et finir, disons, en délibération, aboutir en délibération au conseil communautaire. Donc voilà. Lors des dernières élections, il a été remis en place donc une nouvelle liste de membres. Et parmi ces membres, bien, il y avait une ancienne personne, disons, qui avait bien travaillé auparavant et qui avait été exclue pour un problème d'inéligibilité, puisque les statuts ne prévoyaient pas que des suppléants soient intégrés au sein du conseil d'exploitation. Donc on a revu la copie, parce que cette personne, c'était M. Jean-Claude Hugny d'Alarmont, qui avait fait un travail très 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 bon, très fort et très exceptionnel, même au sein de cette régie, au sein de ce conseil d'exploitation. Donc on a souhaité le réintégrer par le biais de le prendre en tant que conseiller municipal. Il est vrai qu'Alarmont, c'est une commune où on va commencer vraiment à avoir le plus gros chantier en assainissement. Ça va démarrer le 15 octobre. Le coût de ces travaux, ça approche les 2, voire dépasse les 2 millions d'euros en ce qui concerne la création d'un collecteur plus une station d'épuration. Voilà, donc M. Gny qui a monté ce dossier avec l'ancien maire M. Aubert. Bien entendu, nous en avons besoin pour bien sûr suivre les travaux de près, et il était normal que nous ne l'écartions pas de ce conseil d'exploitation. Voilà pourquoi on vous demande ce soir de modifier les statuts. La deuxième chose, c'est lors du précédent bureau, donc de ce conseil d'exploitation, M. Jacques Valence était vice-président avec moi, M. Fèvre était président. Et donc, au moment du renouvellement, c'est le président, donc le vice-président chargé de l'eau et l'assainissement, et ses deux délégués, conseillers délégués, un à l'eau et l'autre à l'assainissement, qui ont été élus vice-présidents.
Bien entendu, M. Valence aussi, lui, avait bien travaillé pour monter ce premier conseil d'exploitation et travailler au sujet de ce transfert de cette compétence. Et je pense que vu la situation des secteurs, c'est vrai que vous le savez que c'est très étendu, 77 communes. Et donc on a choisi un conseiller délégué, donc vice-président à l'eau, qui s'occuperait plutôt du secteur de la fave, où on a un gros chantier qui nous attend. Et l'autre, de l'autre côté, Monsieur Valence, qui s'occupe très bien depuis la chapelle de Vambrouillère, les communes de Larentaise, Corcieux, et qui pourrait très bien nous donner des avis et être le porte-parole de ce secteur. Voilà pourquoi on vous propose ce soir de passer de 18 conseillers communautaires et 3 conseillers municipaux à 18 conseillers communautaires et 4 conseillers municipaux. Voilà, le reste des statuts ne bouge en rien. Sachez que de toute façon, ces vice-présidents ne sont ni président et vice-président ne sont pas rémunérés. C'est surtout un appel aux besoins humains sur le secteur. Voilà. Merci, Monsieur le vice-président. Donc, comme vous le disiez implicitement, c'est donc vous qui avez été élu président de la régie d'eau et d'assainissement. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant concerne le transfert des résultats des budgets eau et assainissement. Monsieur le vice-président délégué à l'eau et à l'assainissement, vous avez à nouveau la parole. Merci, président. Alors là, c'est un petit peu plus chargé. Vous y attendez, le transfert des résultats des budgets eau et assainissement. Donc je vais vous lire déjà le premier texte et après on s'expliquera là-dessus. Donc les services publics industriels et commerciaux, le SPIC, sont soumis à un principe d'équilibre strict. Le financement de l'activité de ces services est assuré par une redevance perçue auprès des usagers. Ce principe a un effet direct sur les tarifs payés par les usagers du service. Toutefois, dans certaines situations exceptionnelles, les budgets annexes communaux peuvent présenter un solde d'exécution budgétaire excédentaire, hein, vous le savez, ou déficitaire. Dans le cadre du transfert des compétences eau et assainissement des eaux usées, des communes vers la communauté d'agglomération, les conditions financières du dit transfert restent à établir, en particulier la question du transfert des excédents des budgets ou assainissement des communes. À ce titre, un procès-verbal de transfert doit être établi en lien avec les services de la DDFIP entre chaque commune concernée et la com d'aglo. Donc il est proposé au conseil communautaire d'approuver le modèle de procès-verbal de transfert et d'autoriser, Monsieur le Président, à adapter ce modèle en fonction des particularités rencontrées, à signer les procès-verbaux de transfert avec chaque commune concernée. Alors, ce que je pourrais vous dire là-dessus, il est vrai que à partir du 1er janvier 2020, ce qui s'est passé dans vos communes, et c'est ce qu'on a souhaité, c'est que on n'y voit pas de différence, quoi. Voilà. Surtout au moment des abonnés, hein, surtout en ce qui concerne les abonnés, au niveau des problèmes, de la réactivité et autres des services de la com d'aglo. Et c'est ce que je peux me dire que on s'en félicite parce que, mis à part les problèmes qu'on rencontre tous les jours, ça a très très bien marché et ça marche très bien. 9 mois de recul, on peut déjà vous dire qu'on a dû intervenir, mais que ça se passe pas mal avec les moyens qu'on a. Donc ce qui s'est passé, c'est vrai qu'en fin d'année, pour solde de tout compte, les communes avaient, ceux qui avaient un budget eau, assainissement, ou eau tout simplement, avaient des excédents, à savoir qu'est-ce qu'on allait faire de ces excédents. Bien sûr, si vous les avez gardés, si vous les aviez gardés dans vos communes comme on l'a fait avant, dans nos communes, hein, c'est pareil, ces excédents auraient servi, un, l'investissement, deux, le fonctionnement, donc pour continuer à fonctionner comme tous les jours. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Donc on a signé, donc la majeure partie des communes qui ont signé les conventions avec la com d'aglo ont donc voté un budget annexe. Hein. Ce budget annexe est alimenté par la com d'aglo au départ, sert à faire l'avance de toutes vos dépenses. La com d'aglo prend les recettes et à la fin de l'année, on fait le rattrapage. Si vous avez besoin de plus, tant qu'on peut en avoir pour divers travaux et autres, bien sûr, on alimente le compte. Donc ça voudrait dire que si c'est... Je parlerai pas d'excédent et de déficit, je parle de résultats, c'est-à-dire le solde des résultats de clôture. S'ils ne sont pas transférés aujourd'hui dans leur intégralité à la com d'aglo, à la régie eau assainissement, ça voudra dire tout simplement que cette manne d'argent, petite ou grande, va pouvoir servir à alimenter le compte le fonctionnement des communes. Ça n'a pas lieu d'être. Parce que de l'autre côté, nous, on intervient aussi pour des travaux, pour du service, pour de la main-d'œuvre, pour toutes choses comme vous l'auriez fait vous. Et bien sûr, on a besoin de trésorerie.
Donc ça voudrait dire que si nous, de notre côté, là, comme d'agglomération, on n'a pas les moyens d'intervenir financièrement dans vos communes, il faudra bien trouver une solution pour récupérer cet argent qui nous sert tous les jours pour intervenir et pour, bien sûr, apporter le meilleur à vos usagers. Voilà pourquoi. C'est-à-dire que c'est simplement une logique. Tout à l'heure, je parlais avec un élu, on posera des questions peut-être. On me demandait, mais le fonctionnement, c'est pas ça, puisque le fonctionnement, on en a besoin, on a un ouvrier communal et qui travaille toujours sur l'eau, qui rend service. Et il faut bien le quantifier. Bien sûr, il est quantifié, il est rémunéré. Donc tout ça, c'est intégré dans le budget annexe. Voilà. Et qui est tout à fait parallèle avec les budgets de fonctionnement et d'investissement des communes qui n'ont plus rien à voir avec la régie et donc l'eau. C'est pour ça que la logique, l'idéal, c'est que ces transferts soient en intégralité réalisés vers la Com d'Aglo. Voilà ce que je... C'est un peu... Bon, c'est sûr qu'il y a des cas par... il y aura des cas par cas. Il y a des cas à traiter. Pourquoi ? Parce qu'il y a des communes aussi qui n'avaient pas de budget eau. Donc, c'était pris sur le budget communal. Donc, c'est les maires de certaines de ces communes nous ont déjà proposé de dire, eh bien, les recettes de l'année 2019 seront transférées comme valeur d'excédent, comme valeur de résultat à la Com d'Aglo. Voilà. Et tout ça, c'est pour intervenir au mieux. J'ai déjà fait l'exemple, je le refais, parce qu'on n'était pas tous autour de cette table il y a une semaine. Une visite dans une commune où il y a un gros excédent, entre 500 et 900 000 euros. C'est pas une ville de 50 habitants, hein, c'est sûr. J'ai pas à la nommer. Aujourd'hui, elle réalise déjà des travaux sur sa commune à hauteur de 500 000 euros. Elle a bien besoin de cet argent. Donc nous, nous avons la compétence, nous avons besoin de cet argent pour pouvoir fonctionner sans avoir à toucher, ni à réinjecter dans son budget annexe, ni à faire des emprunts. Donc cet argent servira dans une comptabilité analytique à chacun des services par commune. Voilà. S'il y a beaucoup, tant mieux. On pourra faire beaucoup plus de travaux tout de suite. S'il y a moins, on alimentera avec les moyens du bourg, c'est-à-dire une trésorerie, et on réglera les problèmes comme ils doivent être réglés. Mais dès le départ, il faut jouer franc jeu, c'est-à-dire que cet argent qui devait revenir au service eau-assainissement doit être intégré dans le service eau-assainissement. Merci, monsieur le vice-président. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Oui, William, monsieur le maire de Saint-Michel-sur-Meurthe et conseiller communautaire. On vous amène le micro. Vous avez la parole. Oui, simplement une précision, parce que au moment de l'établissement du budget primitif dans ma commune, donc rencontre avec la trésorière, etc., qui nous dit vous gardez les résultats eau et assainissement, mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire où on les met. Vous serez obligé de faire une décision modificative, parce que je n'ai encore pas les articles et les lieux où les raccrocher. Alors, je ne sais pas, je suis un peu dans l'expectative, là. Sur un plan technique, hein, technique financier. Jean-Louis, sur un plan technique financier, il est vrai que depuis le 1er janvier 2020, tout le monde a travaillé dans ce sens et il y a eu du chemin de fait, quoi. Et aujourd'hui, on s'aperçoit bien qu'il faudrait que ces problèmes soient réglés pour l'année 2020. Hein, je ne parle pas des autres années. Là, on parle de l'excédent les résultats apparus au 31-12-2019. Voilà, donc il faut bien les caser quelque part. En ce moment, c'est sûr qu'ils sont casés dans les budgets des communes. Mais ils ne servent pas à l'eau et à l'assainissement pour le moment. Donc il faut bien qu'on les cale, nous, pour savoir et aussi faire nos prévisions pour l'année prochaine. Voilà. Yannick, vous vouliez compléter, donc Yannick Poirot, qui est directeur des finances de la communauté d'agglomération. Je vous ai vu vous mettre en mouvement, donc je me suis dit qu'il y avait sûrement une raison. Oui, bonsoir. Pour une réponse purement technique, donc effectivement, hein, le budget annexe qui a été clôturé au 31-12, c'est bien un budget annexe communal, c'est un démembrement du budget principal de la commune. Donc techniquement, il y a forcément un flux-retour. L'affectation de résultats de clôture du 31-12 retombe bien dans le budget principal de la commune. Ça, c'est la première phase. Par contre, la deuxième phase que vient d'évoquer le vice-président en charge de l'eau et l'assainissement sur le transfert des excédents en section de fonctionnement, donc la réponse toujours technique, hein, 678 si vous êtes sur un reversement d'excédents de fonctionnement, 678 si c'est un déficit, pardon, 778 si c'est un excédent. Et en section d'investissement, vous mettez des crédits au 1068 qui fonctionnent dans les deux sens, dépenses ou recettes, pour prévoir le reversement vers la communauté d'agglomération. Donc vous avez bien, en clôture de
budget annexe et donc en balance d'entrée de votre budget principal, le résultat de l'eau 001-002, et vous avez la sortie équivalente sur les comptes que je viens d'évoquer. On va vous faire un mail, un sujet sur les aspects purement techniques. Merci Yannick. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, Bernard. On va t'amener un micro. Communauté d'agglomération, cette année, est-ce que les travaux seront bien réalisés pour 2020 en ayant reversé le budget à la Comme d'Agglo ? Ça a été réglé en 2019. Oui, on a programmé des travaux à 2019. Est-ce qu'ils seront réalisés à 2020 ? Bien, vous pouvez le faire, oui, bien sûr. Ça dépend de ce que vous avez prévu au niveau de votre budget annexe, selon les années antérieures, ce qui a été prévu. Oui, c'est programmé. Oui, donc, oui. Si c'est programmé, aucun souci. Il n'y a pas de souci. Ça continue. Voilà. Si c'est programmé avec la commune, ce dont je ne doute pas, compte tenu des qualités de gestion, avait les moyens de le financer. Oui, Philippe. Donc simplement pour dire que Aran l'étape s'était lancée, c'est parti, et puis ça y est, ça roule quoi. Donc il faut les lancer, la Com d'Agglo. Si les budgets sont prêts, si les investissements sont programmés, les appels d'offres sont programmés, tout est en route. Hein. Aran, on n'a pas perdu une seconde, hein, je vous garantis. On est à fond. J'ai pas nommé la commune. Oui, hein. Mais bon, enfin, voilà, une grosse commune, voilà. Il n'y en a pas 500, il y en a deux. Hein, donc, ouais, non, voilà, c'est si un c'est chiffre, pas Serrier, c'est Raon. Voilà. Mais c'est parti. Hein, voilà, il n'y a pas eu d'arrêt, il n'y a pas eu d'interruption au niveau programmation budgétaire sur la commune de Raon. Ouais, je tiens à vous le dire. Exactement. Voilà. Voilà, donc, peut-être. Je vous invite à échanger tous les deux sur le cas de Gervépal, peut-être pour qu'on puisse lancer les choses dans un calendrier. Il y a une organisation à mettre en place, et puis voilà, mais il n'y a aucun souci là-dessus. Il n'y a pas de retard à prendre, il n'y a rien du tout, ça fonctionne, c'est bien. Notamment, il y a une question de clôturer des captages, c'est ça, Bernard ? Non ? C'est encore un autre sujet. Bon. Juste pour te dire que j'ai entendu parler de certains éléments. Oui. Voilà. C'est un pépin, on appellera ça un pépin. Qui est indépendant de notre volonté, et au niveau des assurances, il y a eu un souci. Mais bon, c'est... Voilà. Bien. Non, mais là, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? On peut donc passer au vote sur ce transfert des résultats des excédents. Donc, qui est contre ? Donc, il y a 4 voix contre. Qui s'abstient ? 2 abstentions. Et donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Le point suivant concerne le lancement d'une enquête publique concernant le zonage d'assainissement de la commune d'Alarmont. Je donne la parole toujours à Monsieur le Vice-président délégué à l'eau et à l'assainissement. Merci, Monsieur le Président. Alors, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, la commune d'Alarmont a lancé un gros projet d'assainissement sur sa commune, d'un coût de, avoisinant les 2 millions d'euros. Ce qui s'est passé, c'est que c'est la commune qui avait la compétence, donc pour monter ce dossier en 2017, 2018, 2019, un beau dossier très bien bouclé. Le souci, c'est que elle n'a pas eu le temps de le mettre de son zonage à l'enquête publique. Donc c'était prévu en fin 2019, si je me trompe, et donc ça n'a pas pu être présenté. Il y a des délais à respecter, et donc ça a été, la compétence a été prise avec, bien sûr, et bien la mise en dossier d'enquête publique à mettre, bien sûr, là sous la décision et sous la responsabilité de la Com d'Agglo. Donc aujourd'hui, on vous demande simplement à ce que l'enquête publique continue par le biais de la Com d'Agglo, mais le dossier c'est le même. Et puis voilà, donc c'est vrai que c'est des dossiers qui ont été traités aussi dans l'urgence aujourd'hui, puisque je vous l'ai dit, les travaux d'Alarmont commencent le 15 octobre. Voilà, mais là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. Ça s'est fait bien plus loin que ça antérieurement dans des autres syndicats. Voilà. Donc c'est pour que l'enquête publique, au lieu d'avoir la compétence que ce soit la commune, eh bien maintenant c'est la Com d'Agglo. Voilà. Et l'une des raisons qui explique que ça s'enchaîne aussi rapidement, c'est qu'on connaissait déjà ces travaux bien avant d'avoir la compétence, au moins un an avant. Hein. On a échangé, y compris sur d'autres projets qui ont été menés par les communes, d'eau, dans certains cas, bien avant qu'on ait la compétence. Ça nous permet tout de suite d'être dans le vif des dossiers. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Il n'y en a pas.
Oui, tu voulais dire autre chose ? Voilà, ce que je pourrais en profiter ce soir pour voir justement cette convention, ces conventions entre les communes qui fonctionnent bien pour l'instant. On verra comment la durée de vie, comment ça se passe. Hein, c'est très très souple. Justement, le problème qui se pose aujourd'hui, enfin c'est pas un problème, c'est quelque chose. Il faut l'insister, il faut creuser pour que ça soit bien compris. Donc après un renouvellement des élus, je pense qu'il est nécessaire que les élus nouveaux et les secrétaires de mairie se réunissent encore une fois pour bien voir justement au moment de ces transferts, au moment des nouveaux budgets, pour qu'il n'y ait pas de quoi que l'année prochaine et que ça se passe bien. Donc là-dessus, vous recevrez des invitations. C'est une réunion qui se passera comme la dernière fois, donc sur deux sites, un site sur Senone et un site sur Remomex. C'est prévu le 14 octobre. Voilà. Donc vous recevrez des invitations. Donc ceux qui veulent, les maires qui viendront avec leur secrétaire pour bien encore faire un petit rappel sur le fonctionnement de cette convention. Voilà. Merci, monsieur le vice-président. On a délibéré, je crois. Hein. Donc non, pas d'opposition, pas d'abstention. Merci beaucoup. Le point suivant concerne l'instauration d'une tarification incitative en matière de déchets. Je donne la parole à monsieur Claude Georges, premier vice-président délégué aux déchets, aux finances, à la coordination et à l'administration générale. Vous avez la parole, monsieur le premier vice-président. Merci, David. Donc, je voudrais déjà... Vous avez eu la note, donc vous avez pris connaissance des textes légaux. Je voudrais déjà bien expliquer les différences. On n'est pas en train, ce soir, de décider si on fait une redevance ou si on fait une taxe. On est simplement en train de prendre une décision sur savoir si on va vers de l'incitatif auprès de nos habitants ou pas. Pourquoi de l'incitatif ? Vous avez vu, hein, vous connaissez aussi bien que moi les raisons. C'est réduire des quantités d'ordures, responsabiliser l'usager, optimiser le service en adaptant aux besoins réels des usagers, etc. Alors, pourquoi ça arrive là, en ce moment ? Tout simplement parce qu'à horizon du 1er janvier 2022, nous devons avoir mis en place une tarification, je dirais, standardisée sur l'ensemble du territoire. Pour ce faire, il y a des choses qui sont à préparer en amont, entre autres, l'incitatif ou non. L'incitatif, c'est un besoin immédiat d'avoir une réponse pour les agents, pour les services techniques qui vont travailler, parce que ça va nécessiter pas mal de travail en amont, hein, ça va nécessiter de faire l'inventaire des bacs, hein, ça va faire un travail de remise en cohésion entre les bacs existants et les foyers. Il va falloir vraisemblablement faire un inventaire des matériels embarqués sur les camions, voire les équiper, etc., etc., voire même peut-être recruter du personnel pour informer, former les habitants. Tout ça, ça nécessite des budgets d'investissement principalement, qui devront être inscrits au budget 2021 qui devrait être voté en décembre. Et nous, pour le dérouler, il faut que les agents sachent ce soir si nous élus, nous prenons la décision d'aller vers de l'incitatif ou non. Ensuite, viendra l'autre débat que je suppose vous attendez tous. C'est un débat à savoir si on va vers une redevance ou une taxe. Ça, c'est un travail qui a été lancé, une réflexion qui a été lancée en amont et qui a été confiée dans un premier temps à un bureau d'études, pardon, Indigo, qui a fait un audit, qui a fait une prospective sur l'ensemble du territoire et qui est à ce stade en phase 3, la phase 3 qui est à stade arrivé à faire des propositions sur lesquelles les élus peuvent débattre et échanger. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je pense à des questions, des interrogations. On va revenir vers vous pour présenter le travail d'Indigo. On va revenir vers vous pour échanger, travailler sur le sujet, prendre des décisions, parce qu'effectivement, il va nous falloir prendre des décisions en début d'année prochaine. La commission va y être associée. On ira vraisemblablement visiter deux types de structures qui travaillent déjà avec une TOMI ou une ROMI. Voilà. Donc ce soir, c'est juste sur savoir si on donne le quitus à nos agents pour travailler sur l'incitatif ou pas pour préparer les investissements qui seront réalisés en 2021 pour l'horizon 2022-23. Voilà. Merci, monsieur le vice-président. Y a-t-il des questions sur le sujet ? Oui. Monsieur le maire de Senone et conseiller communautaire, vous avez la parole. Oui, merci. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Est-ce que, si je comprends bien, c'est une délibération de principe, parce qu'on n'a pas d'éléments qui nous permettent aujourd'hui de savoir quel est le niveau des équipements à la fois techniques et administratifs. Est-ce que c'est pas prématuré de délibérer et de s'engager sur cette réflexion si,
c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs et d'attendre qu'il y ait cette réflexion, cette étude qui nous dise où on en est, combien ça va coûter, qu'est-ce qu'il faut mettre en place et ainsi de suite pour faire ce choix. Parce qu'on pourrait très bien, d'ici quelques mois, dire eh ben, on est tous pour la redevance incitative, qui paraît être la meilleure formule, et que l'État nous incite à mettre en place. Mais désolé, financièrement, techniquement, c'est impossible à mettre en œuvre. Oui, à ça, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je pensais avoir été à peu près clair. Ce n'est pas une décision définitive, puisque je vous ai dit qu'on allait aller vers le DOB, vers le budget, et à ce moment-là, vous aurez à voter les dépenses. Là, aujourd'hui, c'est savoir si la tendance des élus, c'est de dire oui, on fait de l'incitatif. Donc, ça fait un gros travail pour les services. Ne voulant pas travailler dans le vide, on va travailler dans ce sens-là et on vous présentera effectivement. On répondra à ta question, Jean-Luc. Je pense qu'on est sur une délibération comme celle-là. Bon, ça fait 3 ans que précédemment la commission déchets réfléchissait à ce sujet. Sur une délibération comme celle-là, à un moment donné, il faut choisir son modèle. Ou bien on est dans un fonctionnement de la collecte des ordures ménagères, puisqu'on ne s'occupe pas du traitement, hein, il faut toujours être précis. Ou bien on est dans un fonctionnement de la collecte des ordures ménagères qui cherche à réduire significativement le poids des déchets qui sont ensuite amenés pour être traités, et donc inciter par une incitation forcément financière dans la modulation soit de la taxe, soit de la redevance, de ce qui est finalement acquitté par le citoyen, soit on choisit de rester dans le système actuel où on ne fait pas d'incitation financière au tri. Sachant qu'aujourd'hui, on a déjà une communauté de communes, une ancienne communauté de communes, qui est à la redevance incitative et qu'on en a une qui est à la taxe incitative en facturation à blanc. Respectivement l'ancien territoire de Fameur-Galilée et l'ancien territoire de la vallée de la Plaine. Et que pour des raisons évidentes d'engagement écologique, d'engagement pour la transition énergétique aussi, on doit pouvoir dire si oui ou non on souhaite aller vers ce modèle. Et ce qu'on vous propose effectivement aujourd'hui, c'est d'aller vers ce modèle et de nous en donner les moyens. Mais à un moment donné, il faut forcément décider et basculer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple des projets à développer, bon, il y a eu des études assez nombreuses sur la création d'une nouvelle déchetterie à Saulcy-sur-Meurthe, parce qu'on sait que l'un des effets du passage à l'incitatif, c'est d'augmenter dans un premier temps le volume des objets qui arrivent en déchetterie. Donc on sait très bien qu'on a un réseau de déchetterie qui est en partie obsolète. Il faut décider aussi assez vite, par exemple, si on ne prend pas la décision maintenant, changer les bacs ou les équiper de puces là où ils peuvent être conservés. Il y a des territoires dans notre agglomération où il n'y a pas de bac, il n'y a que la sortie des sacs. Eh bien, ça suppose de s'y prendre assez tôt. Et c'est vrai que la Commission y a travaillé très longtemps. Alors, il y a forcément des conséquences en termes d'investissement. Mais ce qu'on souhaite, c'est qu'il y en ait aussi pour les consommateurs en termes de fonctionnement et de factures finalement acquittées. Et puis d'envoyer cette incitation très forte. C'est vraiment un modèle, c'est pas qu'une décision technique, c'est vraiment une décision qui relève quasiment de la philosophie de l'action publique. Est-ce qu'on décide qu'on bascule vers la transition écologique et qu'on y va vraiment, ou est-ce qu'on reste un peu en arrière de la main? Et donc ce qu'on vous propose aujourd'hui sur la base de ce qui a été travaillé pendant 3 ans, par la commission des déchets, c'est de dire on y va. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, William, monsieur le maire de Saint-Michel-sur-Meurthe et conseiller communautaire. Oui, on ne peut qu'être d'accord sur le principe de recherche de limitation de déchets par une redevance incitative. Bernard me le faisait remarquer, mais évidemment, nous sortons d'une communauté qui, depuis longtemps, a pratiqué cette démarche et qui était fort efficiente. Par contre, simplement une réflexion, moi, je dis que le choix de la méthode de l'incitation A est intimement lié au mode de recouvrement. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, hein, mais... J'en reste persuadé. L'incitation
Pour les premiers renseignements qu'on recherche et que j'ai trouvés par l'intermédiaire des services, le système s'applique autant une taxe que sur une redevance. Les systèmes sont identiques et fonctionnent dans tous les cas. Je veux dire, là, aujourd'hui, on devrait, je pense, aller vers l'incitatif par la levée, par exemple. Donc, que ce soit pourquoi la levée, on peut faire le peser aussi, mais techniquement, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus aléatoire. Donc, la levée, que ce soit sur une redevance ou la levée sur une TOM, techniquement, ça ne fait pas de différence. Ça se pratique, et je l'ai dit tout à l'heure, on ira rencontrer deux territoires significatifs qui pratiquent l'un la TOMI, l'autre la ROMI. Et la commission y sera associée et prendra du recul pour choisir et vous proposer quelque chose. L'impact, je pense, ce que je ressens, l'impact de la réduction de par le côté incitatif sur une taxe quand il s'agit d'une grosse taxe n'est pas suffisamment conséquent pour rester dans l'esprit des gens incitatifs. Voilà. Mais c'est une réflexion. On est d'accord. Le débat sera présenté par l'intermédiaire du travail d'Indigo et vous aurez tous les éléments et vous pourrez juger par vous-même et comparer par vous-même des deux systèmes. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on... Mais ce qui est à retenir, par exemple, c'est que je crois que c'est Favre, Meuf, Galilée sont arrivés par ce système, entre autres, puisqu'ils ont vraiment un recul, à 60 kilos par habitant, je crois, je ne dis pas de bêtises, les élus du secteur. C'est... Combien ? Oh, pardon, 52. Voilà, donc c'est du factuel, donc c'est impressionnant, 52 kilos par habitant. Ce n'est pas le fruit du hasard. Donc, quelque part, l'ensemble du territoire s'y retrouvera si on arrive à aller vers 52 kilos par habitant. Quoi. Voilà, c'est tout. Donc, je crois que... je crois que c'est important pour tout le monde, pour les habitants, pour les agents, de prendre une décision vers l'incitatif. Et derrière, effectivement, je répète, il va y avoir... les DOB, il va y avoir un budget, il va y avoir une commission qui va travailler, qui va se déplacer. On ne va rien faire par hasard. Et je rassure Jean-Luc, on se connaît, côté finance, je ne suis pas un comptable, et côté finance, je sais gérer. Donc je veux dire, je ne saurais pas forcément vous donner tous les articles qui font des vases communiquant d'un endroit à l'autre, mais je sais ne pas faire d'erreur côté finance. Et tu as raison, on fera attention, Jean-Luc, on fera très attention. Je dis ça à Jean-Luc, mais c'est pour rassurer tout le monde. Sur ce que tu dis, William, juste pour éclairer un peu, je vais essayer d'éclairer ce que tu dis. Ce que tu veux dire, et je veux dire, sur le raisonnement, c'est assez juste. C'est qu'il y a une forme de logique plus évidente quand on veut moduler la facture à ce qui est de l'ordre de la production de déchets, à la moduler en fonction du nombre de personnes qui vivent dans un foyer et non pas à la surface d'un bâtiment et à sa valeur. C'est vrai que dans l'atomie, on associe deux choses qui sont moins intuitivement proches que dans une redevance. Pour les avantages des systèmes, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, il y en a dans les deux côtés. La redevance, c'est un système qui est plus juste puisqu'il dépend plus étroitement du nombre de personnes qui vivent dans un logement. C'est un système qui est, en revanche, plus compliqué parce qu'il est administré par nos services. Et donc, c'est plus compliqué parce qu'il faut avoir nous-mêmes les fichiers de l'ensemble des contribuables. Et donc, à l'échelle de l'agglomération, c'est plus compliqué qu'à l'échelle d'un petit territoire, évidemment. Du côté de la taxe, l'avantage principal, c'est la sécurité dans la perception des produits. C'est-à-dire que le niveau des impayés est bien inférieur, et ça c'est vrai dans tous les territoires, parce qu'on est sûr de percevoir ce qui est facturé. Donc ça permet de réaliser des investissements à coup sûr. C'est aussi un système dans ses avantages qui permet de taxer les résidences secondaires et de les faire contribuer de façon importante au financement du système collectif, alors que dans l'autre système, on les fait très peu contribuer. Et c'est le système majoritaire pour les habitants de l'agglomération aujourd'hui. Il y a 60% à peu près de la population qui est à la taxe. Voilà. Une fois qu'on a mis ces deux éléments sur la balance, il y a des modélisations qui seront évoquées. Il y aura des visites sur terrain pour voir comment ça marche. On peut aller à Lunéville pour une redevance incitative si on veut en voir encore une autre que celle qu'on pratique déjà sur le territoire. On peut aller à Besançon pour voir une taxe incitative si on veut en voir une qui fonctionne sur le territoire. Et puis, ma foi, vous organiserez les déplacements. Vous verrez comment la commission travaille et vous nous proposerez un choix à l'issue de tout ça qui sera celui qu'on retiendra.
Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Non, pas encore, bien sûr. Non, justement, c'est ce qu'on va faire, c'est l'inventaire qu'il va falloir faire. On sait déjà, les agents ont déjà quand même travaillé, il ne faut pas croire, bien sûr. Mais non, tout n'est pas équipé, bien sûr. Tout n'est pas équipé et tous les bacs ne sont pas forcément équipés. Il va falloir reconsidérer un bac par foyer, s'assurer que la puce correspond bien au foyer, etc. Donc il y a un travail de fourmi et il faut démarrer rapidement, quoi. Ça dépend. Oui, si on est en régie. On ne gère pas partout en délégation de service public. Chez toi, oui. Dans le secteur de Fameur-Galilée aussi. Dans notre secteur, Vallée de la Meurthe également. Enfin, Saint-Dié, oui, mais pas le reste de la Vallée de la Meurthe. Mais les abbayes, c'est en régie. Donc, on est en régie, par exemple. Donc, il faut s'assurer que nos propres véhicules vont être équipés. Et donc. C'est pour ça que je disais, ça, c'est des investissements qu'il faut préparer maintenant. Ça dépend. Si on est en DSP, effectivement, il faudra travailler avec le prestataire. Mais pour les autres qui sont en régie, comme la vallée de la Plaine, comme la vallée du Rabodeau, c'est notre matériel. Donc, effectivement, ça sera à nous. Mais ça, on vous présentera tout ce qu'il faut faire d'un côté comme de l'autre. Je n'ai pas répondu, si ? Si, ben, ce qui veut dire... Ce que Bernard sous-entend, c'est que dans les choix à faire, il y a incitatif ou pas incitatif ? Taxe ou redevance, et puis après, un seul mode de gestion ou plusieurs. C'est-à-dire, cette question-là arrivera forcément plus tard, mais elle arrivera pas dans un ou deux ans, mais elle arrivera forcément dans 4 ou 5 ans ou dans 5 ou 6 ans. Oui. Ben parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs modes de gestion, la régie et la délégation de services publics. Et en plus, on ne peut pas dire que ce soit lié à un type de territoire ou à un mode de perception de la recette. Parce qu'on a parfois de la régie dans des secteurs qui sont à la taxe, c'est le cas de la vallée de la Plaine, et qui est un territoire plutôt rural, à part Raon-l'Étape, qui est une grosse commune. On a parfois de la délégation de services publics dans un secteur rural, avec une redevance, c'est le cas dans le Val-de-Nenay. Enfin, c'était sur le budget général, mais aujourd'hui. C'est entendu. Donc vous êtes encore un cas à part, mais disons qu'on a aussi des cas en délégation de services publics dans un secteur plutôt rural ou périurbain qui a la redevance, comme dans le secteur de Favemeur-de-Galilée. Et puis on a aussi des cas dans lesquels on a des régies qui sont assumées dans des secteurs à la taxe qui n'expérimentent pas la facturation à blanc incitatif, comme c'est le cas par exemple dans la vallée de la Meurthe, depuis Saulcy-sur-Meurthe jusqu'à Plainfin. Donc. Et à un moment donné, cette question du mode de gestion, elle se posera aussi. Savoir si on est complètement à la délégation de services publics ou complètement en régie. Mais ça se passera à l'échéance des contrats qui sont déjà noués aujourd'hui. Et après, le choix de l'incitatif ou de... Mais je ne sais pas, pourquoi tu oscilles la tête négativement ? C'est pas le débat aujourd'hui. On parle dans le mode de la pesée, de la taxe incitative, ça sera toute la communauté d'agglomération qui sera à la taxe. Mais pour partie du territoire, c'est nous qui investirons quand c'est géré en régie, et ailleurs, là où c'est en délégation de service public, c'est le délégataire qui investira. Voilà. Mais dans les deux cas, tu sais, Bernard, c'est pas si compliqué que ça, parce que quel que soit le mode de gestion, dans les deux cas, c'est l'usager qui paye. C'est ce qui s'appelle un budget annexe et autonome. Oui, ça, j'ai compris. C'est un service. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, monsieur le maire de Provenchères, monsieur le maire de la Petite Fosse. Jean-Marie. Oui, bonjour à tout le monde. Pour la redevance, on est en ce moment sur l'ancienne communauté de la Vave. Les dernières factures qu'on a reçues, elles sont à 101 euros. On est en redevance. Pour l'année. Oui. C'est un exemple. Hein. Steve, peut-être Brunet, le maire de Provenchères, puis après on pourra passer peut-être à la délibération. Oui, il y avait une demande de Patricia. Oui. Bonjour déjà à tout le monde. Ouais, donc je vais rejoindre un peu mon confrère. Je pense que d'arriver à 52 kilos sur les poubelles par habitant, ça paraît comme un exploit, mais en fait l'exploit il est pour une seule chose, c'est la redevance. On a parlé réduction du poids, tri. La seule manière de pouvoir y arriver,
c'est en touchant et en ayant vraiment des données factuelles au niveau des usagers. Donc la redevance, c'est vraiment un système qui marche bien. Chers collègues, quand on reçoit un avis d'imposition, c'est extrêmement factuel. Hein. Oui, mais... Et encore une fois, ne préjugeons pas, ne partons pas avec des œillères tout de suite, parce qu'on ne s'en sortira pas. Il y a des exemples dans lesquels la taxe a permis de réduire de façon très importante avec de l'incitatif. C'est une question de pourcentage, en fait. Vous avez plein de gens, si vous leur dites « vous pouvez payer moins d'impôts », ils font des choses pour payer moins d'impôts. Hein. Donc voilà, ça se discute et on verra deux exemples. Je pense que ce n'est pas le moment d'avoir ce débat aujourd'hui, même s'il y a cet exemple vertueux sur ce territoire. Et moi, j'ai une pensée pour René Bastien, hein, qui était vice-président délégué aux déchets de l'époque de Favemeur de Galilée, qui s'est maire de Paris-Grand-Rue à l'époque. Qui a mis cela en œuvre avec toutes les réunions publiques, le travail préparatoire que ça supposait. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne pouvait pas se limiter à une levée, parce que la levée ne reflète pas la réalité des choses. On peut avoir des gens qui mettent des gravats dans les poubelles, et si on prend pas le poids en compte, obligatoirement on est déconnant pour l'objectif premier, c'est-à-dire de réduire les déchets et augmenter le tri. Hormis le coût, effectivement, je rejoins mon confrère, mais notre objectif premier, c'est quand même de réduire les déchets et surtout d'avoir du tri. Mais oui, bien sûr. Daniel, et puis enfin oui, Patricia. Merci, Monsieur le Président. Mais vous m'avez un petit peu coupé l'herbe sur le pied, puisque je voulais rendre hommage surtout à René Bastien, qui n'est plus conseiller communautaire depuis les dernières élections. Mais nous avions tous travaillé dans notre vallée avec lui. Je sais qu'il en a, à une certaine époque, c'était très difficile pour lui, mais le résultat est là. Et là, je voudrais qu'on fasse aussi un peu la publicité de ce qui a été fait sur notre secteur, que les autres... communautés puissent voir ce qui a été fait. Les poubelles sont pucées, les camions sont équipés pour la peser embarquée. Vraiment, tout fonctionne, je pense, très bien. Tous les collègues de la vallée, je n'ai pas trouvé un qui était mécontent. Bon, taxe ou redevance, bien sûr, c'est un autre débat. Je sais que la taxe pour la ville, c'est quand même plus facile. La redevance pour la zone rurale est peut-être plus probante. Voilà, mais est-ce que c'est possible de faire les deux? Ça, je ne sais pas. Voilà, dans les deux cas, c'est possible en tout cas d'avoir des pourcentages d'incitatifs sur la facture ou sur l'avis d'imposition qui soient modulés en fonction du type de secteur dans lequel on est. Parce qu'évidemment, c'est plus ou moins facile. Quand vous avez un très très grand jardin, c'est plus simple de faire du compostage que quand vous êtes dans un appartement de 25 mètres carrés, dans un studio. Et donc, on doit pouvoir avoir cette adaptation. De toute façon, ce sera difficile. Je dis ça aux collègues, quel que soit votre choix de fiscalité. Dans un secteur à côté de chez nous, par exemple, à Lunéville, ils sont passés sur une partie du territoire de la taxe à la redevance. Ça a été la révolution. Et ça a été la révolution. Et d'ailleurs, on peut voir une partie du résultat qui s'est passé aux dernières élections communautaires comme une sanction vis-à-vis de ceux qui ont choisi la redevance de la part la partie du territoire qui est à la taxe. Donc, c'est pas si simple que ça. Il faudra bien qu'on pose tout sur la table et qu'on prenne la décision. Mais de toute façon, ce sera difficile. Et c'est des choix courageux qu'il faut faire. Patricia, pour la commune de Belleval. Alors, moi, je voudrais savoir, pour les dépôts sauvages... où les déchetteries ne prennent pas toujours les dépôts sauvages. Comment on fera? Ce sera la mairie qui payera? Écoute, je ne vais pas me défausser. Tu me renvoies ta question et j'y répondrai, mais ce n'est pas le débat de ce soir, sinon on ne va pas s'en sortir. Je veux dire, ça, c'est trop spécifique pour répondre ce soir. C'est souvent dans les petits villages... Ben oui, mais je crois qu'à aujourd'hui, c'est du pouvoir de police du maire, hein, c'est aussi à lui d'agir. En attendant, je crois que ce soir, le débat, il est à l'incitatif. Ça, ce sont deux choses, on abordera. Mais moi, je reçois toutes les questions des maires qui sont spécifiques et j'essaye d'y répondre le plus vite possible. Je réponds, pas forcément dans les 24 heures, mais j'essaye d'y répondre avec l'ensemble des services techniques qui sont assurés par Didier Masson. Voilà. Donc, mais je peux pas... Sinon, on... Aujourd'hui, ça relève des pouvoirs de police du maire. D'ailleurs, on avait la possibilité d'y renoncer ou pas. Et un certain nombre de collègues, et moi aussi, j'ai écrit en tant que maire, pour garder le pouvoir de police sur mon territoire, y compris en matière d'ordures ménagères, parce que c'est le plus efficace. C'est nous qui voyons le plus vite s'il y a des dépôts sauvages ou abandonnés. Et je te rassure, Patricia... en ville, en tonnage, même à l'habitant, même en zone urbaine, dans la vallée de la Meurthe, en zone dense,
on a des dépôts sauvages qui peuvent se comparer avec certaines zones boisées. Je te rassure tout de suite. Puis comme on est dans un massif, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il n'y a pas de forêt dans notre territoire. Mais on abordera ce sujet si tu le souhaites. Mais pour le moment, c'est le pouvoir de police du maire et c'est la commune qui pourvoit, effectivement. Oui. Lionel. Monsieur le maire de Mortagne. Et puis après, on pourra peut-être... Oui. Bonsoir tout le monde. Une petite question. Dans les trois petits derniers arrivés, là, on est tourné vers Épinal, nous. Hein, je ne sais pas comment vous pensez faire avec nous. On intègre, on n'intègre pas. Hein, on fait toujours partie de... Est-ce qu'on reste comme ça? Puisque, bon, on entend quelques bruits pour l'instant. Alors, là, effectivement, on est en pleine réflexion. C'est bon, c'est très spécifique. Je réponds en deux secondes. Le SICOVAD souhaiterait vous délaisser parce que ça leur pose beaucoup de problèmes d'organisation et financière. Donc, il nous a posé la question si nous, on pouvait envisager de vous collecter. On est en train de regarder. A priori, dans les tournées actuelles, ça ne poserait aucun problème. Donc, on reviendra vers vous pour en discuter et on reviendra vers vous pour en décider. Voilà. Mais effectivement, je l'ai découvert comme vous en prenant les fonctions. Mais ce n'est pas un bruit de couloir, c'est dans les tuyaux. Donc c'est des communes de Bois-de-Champ, Les Rougeaux et Mortagne qui ont fait le choix de rejoindre la communauté d'agglomération au 1er janvier 2018, hein, c'est ça. Et donc qui, parce qu'elles étaient issues de la communauté de communes de Bruyères-Vallon-des-Vosges, étaient dans le système du SICOVAD. Jusqu'à présent, pour la déchetterie, on a une convention, bien sûr, pour qu'ils puissent utiliser la déchetterie de Bruyères. C'est vrai aussi pour d'autres communes, d'ailleurs. Par ailleurs, effectivement, vous continuez à être ramassé par le SICOVAD, mais peut-être qu'on va changer les choses, peut-être en passant par le col de Montrepos. Je pense que c'est sans doute le plus simple. Hein. Oui, c'est le plus simple, parce que si on passe par le Haut-Jacques, c'est un peu plus long. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote. On va peut-être voter positivement, là, parce que c'est un vrai sujet de fond. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il y a donc 1, 2, 3, 4 abstentions. C'est donc adopté. Merci beaucoup. C'est vraiment un choix structurant, effectivement, pour l'agglomération et pour les mois et les années qui viennent. Le point suivant concerne la désignation des lieux de réunion du Conseil communautaire. Je donne la parole de nouveau à Claude Georges. Donc là, c'est assez simple puisqu'il nous faut des salles suffisamment grandes pour accueillir tout le monde, en plus avec les risques sanitaires qu'on a actuellement encore. Donc on vous propose 7 lieux, l'amphithéâtre de l'IUT à Saint-Dié-des-Vosges, le musée Pierre-Noël à Saint-Dié-des-Vosges, l'espace Georges Sadoul à Saint-Dié-des-Vosges, la salle Carbonard à Saint-Dié-des-Vosges, le palais Omnisport Joseph Claudel dans lequel on est ce soir, l'espace François Mitterrand, et la salle Emmanuel Demange à Saint-Jean-d'Ormont. Ce sont les seules salles identifiées sur le territoire qui permettent de recevoir l'ensemble des élus. Voilà. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui, Madame la conseillère communautaire Amélienne Burger, vous avez la parole. Oui, alors parmi les 7 lieux proposés pour les prochains conseils communautaires, je note le palais Omnisport Joseph Claudel où nous sommes. Comme son nom l'indique, ce lieu est initialement exclusivement dédié à la pratique sportive. De quel droit pouvons-nous nous permettre de perturber la pratique sportive des usagers de ce lieu, comme les associations et éventuellement les scolaires? Dans cette période difficile pour de nombreuses associations, il serait peut-être bienvenu de notre part de les accompagner dans leur pratique, autrement qu'en les privant de leurs outils et en les prévenant au tout dernier moment de surcroît. De plus, pourquoi neutraliser l'ensemble des salles pour ce conseil? Par exemple, ce soir, la pratique de yoga dans le dojo était incompatible avec la tenue de cette réunion. Les associations, les pratiquants sont-ils si peu considérés pour qu'on se moque des désagréments causés par de telles pratiques? De même, serions-nous prêts à annuler un concert à l'espace Georges Sadoul moins de 2 semaines avant sa tenue pour un conseil communautaire? Merci, Madame la conseillère communautaire. Je pense que tu souhaites répondre ou peut-être le vice-président délégué au sport. C'est en concertation avec eux. De toute façon, je dirais ils sont prévenus. Je ne pense pas qu'il y ait de soucis. L'IUT est en réflexion. Donc, on privilégiera, comme la mandature précédente, l'IUT de Saint-Dié.
auquel on avait trouvé une entente avec eux. Effectivement, on est là ce soir parce qu'il est en travaux. Après, on essaiera de revenir, d'autant plus que pour les agents, c'est plus simple, l'IUT. Donc, ce n'est pas par plaisir qu'on a choisi de venir ici, quoi. Hein, mais on les a prévenus suffisamment tôt, quoi. Et les réunions de conseils communautaires, il n'y en a pas non plus très fréquemment, hein. Ça va être une fois tous les 6 semaines, je crois, 8 semaines. Donc j'espère que d'ici là, on aura réglé nos problèmes sanitaires et autres et qu'on pourra retourner couramment à l'IUT comme on faisait les autres années. Donc on n'embêtait personne. Ce n'est pas notre objectif. J'entends bien ce que vous demandez. Merci, Monsieur le Vice-président. Y a-t-il d'autres questions ? Il y en... Oui, une, Didier Agusti, pour la commune de Denis-Père. Merci. Juste pour cette période de travaux, on comprend bien qu'il y a des travaux à l'IUT, hein. Ce serait quand même bien de venir dans une belle vallée des Vosges, la vallée du Hure, donc à Saint-Jean-d'Ormont, ce serait bien. Voilà, une fois. Voilà, merci. Ce sera désormais possible à partir de ce soir, en effet. Et donc, et ben, il faudra vérifier aussi à la fois le respect des protocoles sanitaires et bien sûr qu'on ne perturbe pas trop les pratiquants des sports qui utilisent cette salle. Il y en a beaucoup. Mais pourquoi pas ? C'est pour ça qu'on vous la propose, parce qu'elle a la capacité. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, on peut passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et donc une abstention, c'est adopté à l'unanimité des suffrages exprimés. Je vous propose qu'on retire la 9e délibération de l'ordre du jour parce que le document était trop volumineux et donc il n'a pas pu être téléchargé par la quasi-totalité des conseillers communautaires. Qui est contre, qui s'abstient, donc on le retire de l'ordre du jour. Et donc on passe au point numéro 10 sur la révision allégée du plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Marguerite. Monsieur le vice-président délégué à l'urbanisme, vous avez la parole. Oui, merci. Merci. Donc, la communauté d'agglomération a prescrit par délibération du 26 mars 2019 la révision allégée du PLU de Sainte-Marguerite afin de procéder au changement d'une zone agricole, c'est une zone en A, en zone naturelle gravière, donc zone en NG, ceci pour permettre l'extension de l'exploitation de la gravière Cantrelle. Les matériaux qui seront extraits de cette gravière Cantrelle, la demande de modification du PLU pour les parcelles est une condition sine qua non pour obtenir l'autorisation d'exploitation. Il faut noter aussi que la gravière Cantrelle a obtenu une autorisation trentenaire d'exploitation et l'arrêté préfectoral a dû être signé fin 2017 ou courant 2018. L'intérêt, c'est que ces matériaux de qualité serviront principalement à l'approvisionnement de la centrale béton, des centrales d'enrobée bitumineuses et de plusieurs usines de préfabrication. Ceci, c'est un projet qui va amener donc des conséquences économiques et aussi au niveau bilan carbone, ce n'est pas anodin, puisque l'approvisionnement par un marché local permettra, par rapport à d'autres producteurs de matériaux qui sont plus éloignés et qui nécessitent un transport routier, donc d'avoir un bilan carbone un peu plus positif. La surface totale de changement de zone concernée est de 20 070 m², dont 18 150 m² seront destinés après exploitation à la reconstitution d'une prairie mésophile dans un but de préservation de la biodiversité. Et les 1920 autres m² restants seront, quant à eux, intégrés dans le futur plan d'eau à la fin de l'exploitation trentenaire. Le site de la Balastière Cantrelle doit être réaménagé en plan d'eau avec des îlots afin de permettre les migrations d'oiseaux, voilà, notamment. Donc, il appartient au Conseil communautaire de prendre une délibération d'arrêt afin de pouvoir passer en enquête publique. Celle-ci, d'une durée de 30 jours minimum, sera programmée courant novembre 2020 pour une approbation du projet envisagée fin décembre 2020. Ça serait lors du dernier conseil communautaire de l'année. Voilà. Avez-vous des questions ? Monsieur le vice-président, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ?
Il n'y en a pas. Nous pouvons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Le point suivant appelle création d'une commission intercommunale des impôts directs. Je vous propose qu'on retire ce point de l'ordre du jour, puisqu'on va lancer une consultation dans les communes. On va vous demander les uns les autres de proposer des noms. Vous savez qu'il y a un tirage au sort ensuite et qu'on doit proposer une liste de noms. Et c'est mieux de faire l'appel aux communes plutôt que de proposer comme ça de notre chef une liste. On a obtenu un délai d'un jour supplémentaire, donc on peut le faire. On y arrivera avec la date du prochain conseil communautaire. Pas d'opposition, pas d'abstention pour retirer ce point de l'ordre du jour. Le point suivant appelle création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Monsieur le vice-président délégué aux travaux et aux bâtiments intercommunaux, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. La loi 2005-102 du 11 février 2005 pose deux principes novateurs. La prise en compte de tous les handicaps, le traitement de la chaîne de déplacement dans sa continuité. Pour atteindre ces deux objectifs, la loi recommande de privilégier la concertation et prévoit de pour ce faire, la création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, la CIAPH, pour les intercos de plus de 5000 habitants. La commission est composée de représentants de la communauté d'agglomération, d'associations d'usagers, d'associations représentant l'ensemble des différents types de handicap physique, sensoriel, mental ou psychique, des organismes représentant les personnes âgées, et des représentants des acteurs économiques, acteurs publics ou privés, institutionnels ou usagers. Chacun apporte sa contribution, ses contraintes et attend celles des autres. Elle est présidée par le président de la communauté d'agglomération. En aucun cas, la CIPH ne peut se substituer à la sous-commission départementale d'accessibilité d'Épinal et à la commission d'arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges. La commission joue un rôle consultatif. Elle ne dispose pas de pouvoir de décision ni de contrôle. Ses missions sont de dresser un constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports, d'organiser le recensement des logements accessibles, d'établir un rapport annuel comportant toute proposition utile d'amélioration de mise en accessibilité de l'existant, proposition de programme d'action, d'évaluation et suivi des réalisations, bien des résultats obtenus, d'établir un rapport annuel sur la proposition de programme d'action, évaluation et suivi des réalisations. Monsieur le Président de la communauté d'agglomération désignera par arrêté la liste de représentants appelés à siéger à la commission intercommunale pour l'accessibilité. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Le point suivant appelle création d'une composition d'une commission consultative des services publics locaux, la CCSPL. Monsieur le premier vice-président, vous avez la parole. Merci. Donc, pour déjà bien situer ce que c'est que la CCSPL, c'est la Commission consultative des services publics locaux. Donc, dans les EPCI de plus de 50 000 habitants, on a l'obligation de créer cette commission consultative des services publics locaux. Elle est présidée de droit par notre président de la communauté d'agglomération. Et elle doit se composer de 5 titulaires, 5 suppléants et de représentants d'associations locales nommées par le conseil communautaire. Alors, la commission examine chaque année le rapport établi par le délégataire de service public, dans le cas, DSP, les rapports sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable, sur les services d'assainissement, un bilan d'activité des services exploités en régie. Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur tout projet de délégation de service public, tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie, tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et développement avant la décision d'y engager le service. Pour information, pour mémoire, elle a été créée le 17 mars 2017 dans le mandat précédent. Cette commission a été consultée le 7 novembre 2019 pour l'eau et assainissement, pour la création de la régie d'assainissement, pour la création de la régie de l'eau, pour la création du conseil d'exploitation et sur les conventions de gestion avec les communes. Ça, c'est le dernier exemple en date.
Donc, je répète, il faut 5 membres titulaires, 5 suppléants et des représentants des associations. Les dernières associations qui faisaient partie de la commission étaient l'Union départementale des associations familiales, l'Union fédérale des consommateurs et l'association Engrenage, qui doit résider sur Saint-Dié. Voilà. Donc, les personnes sur lesquelles on pourrait délibérer, on proposerait les membres titulaires Françoise Legrand, André Boulangeau, Patrick Zanqueta, Jean-Louis Rop et Jean-Marie Lalandre. Pour les membres suppléants, Gérard Roudot, Philippe Salerio, Bernard Rop, Jean-Pierre Chinanzoni et Julien Pierre-Alabol. Voilà, Président. C'est très exactement les membres de la commission d'appel d'offres, ce qui permettra effectivement, dans un certain nombre de cas, de regrouper des réunions. C'est la raison pour laquelle on a cette identité. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour ? Je fais exprès pour... Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est donc adopté. Oui, une abstention à l'unanimité, moins une voix. Le point suivant concerne un avenant au contrat de délégation de service public du transport public de voyageurs. Il y a une petite modification dans la délibération, puisqu'il y a des négociations qui nous sont plutôt favorables, qui sont intervenues de la part de nos services. Madame la vice-présidente déléguée à la transition écologique et solidaire, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, un petit rappel du contexte pour les nouveaux élus. La communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a délibéré le 5 décembre 2017 pour désigner le candidat retenu dans le cadre du renouvellement de la délégation de services publics du transport urbain. La société Transdev SA gère ainsi le service des transports urbains pour une durée de 3 ans et presque 8 mois. Vous avez donc reçu tous l'avenant numéro 8 au contrat de délégation de service public de transport des voyageurs. Cet avenant porte sur 3 points. Premier point, l'indexation pour 2019 de la contribution financière forfaitaire conformément au contrat. Contractuellement, il est prévu d'indexer la contribution financière forfaitaire en fonction de l'évolution des indices de référence. Pour 2019, donc, cette contribution forfaitaire est de 1 175 317,35. Sur le projet de délibération que vous avez eu, il faudra donc corriger le montant qui est indiqué de 1 200 613. Comme l'a indiqué le président, il y a eu une négociation depuis et l'avenant a été corrigé, mais pas la délibération. Le deuxième point porte sur la modification de la date de fin prévisionnelle de la délégation de services publics. Elle sera pas non le 31 août, mais le 29 août 2021 pour coller à la date de la rentrée scolaire. Et le troisième point, c'est l'ajout à la liste des biens de transfert dans la nouvelle délégation de services publics, le site Internet, le système d'information voyageurs, des précisions quant au stock et approvisionnement et la liste des véhicules, et ceci afin d'avoir une continuité de service pour l'usager en attendant le nouveau site du délégataire qui sera retenu pour la nouvelle délégation de services publics qui devrait être attribuée début 2021. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Madame la Vice-Présidente. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Oui, William. Monsieur le maire de Saint-Michel-sur-Meurthe et conseiller communautaire, vous avez la parole. Toujours dans l'esprit de un peu pédagogique, ça me travaille de temps en temps. Ce n'est pas l'objet exact de la délibération, puisque c'est la modification de la délégation de services publics qui fait l'objet de cette délibération, mais il n'y a pas que cela comme transport, il y a d'autres formes de transport. Et peut-on informer nos collègues comment est abondée la ligne transport pour permettre quand même le décaissement de sommes relativement importantes ? Madame la vice-présidente. C'est-à-dire qu'il y a une recette qui est par la contribution des entreprises de transport. Il y a les ventes commerciales, il y a le coût de la délégation et on est à peu près 1 million de recettes, 1 million de dépenses actuellement pour le transport urbain. Oui, c'est ça. 0,55. Oui, je crois que c'est 0,55. Oui. Il y a deux éléments donc, qui sont sous-jacents dans l'intervention de notre collègue.
Le premier, c'est que la compétence transport n'était exercée effectivement sous forme de service que sur le banc communal de la commune de Saint-Dié-des-Vosges et dans la communauté de communes de la vallée de la Plaine, sous mode d'un service hebdomadaire. Et donc on a étendu cette compétence à toute l'agglomération en janvier 2017. Je précise qu'au moment où on a transféré la délégation de services publics, elle était équilibrée à Saint-Dié-des-Vosges, qui est relativement rare, mais que la masse des recettes permettait d'équilibrer presque parfaitement les dépenses. Je crois même qu'il y avait un léger excédent. On a fait le choix, à partir de 2017, à la fois de créer des services publics de transport nouveaux, avec notamment trois types de transport à la demande. Du transport à la demande dit périurbain, donc assez dense dans les communes qui entourent la ville-centre. Du transport à la demande vers des pôles de centralité dans les petites communes pour pouvoir rejoindre une commune où il y a plus d'habitants, notamment par exemple dans la vallée de la Plaine vers Raon-l'Étape, en plus de ce qui existait déjà. Et puis du transport à la demande vers les gares. Et c'est d'ailleurs ce dernier système qui marche le moins bien du point de vue de la sollicitation par les habitants, même si au départ c'était un projet intéressant parce que c'était multimodal, mais en termes de recettes c'est pas très significatif, ni de sollicitation. Et donc pour pouvoir financer ces services, il y a eu une extension progressive du versement transport à l'ensemble de la communauté d'agglomération, alors qu'il n'était perçu jusque-là que sur le banc de la commune de Saint-Dié-des-Vosges. Et du reste, il y a une question qui se posera l'année prochaine, puisque vous avez entendu que le gouvernement entendait alléger de 20 milliards d'euros les impôts de production, et qui sont payés donc par les entreprises avant même qu'elles aient produit un bénéfice et un chiffre d'affaires, mais en fonction de leur masse salariale. Ces impôts de production, c'est la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et le versement transport. Et donc, il y aura forcément des conséquences sur le versement transport, avec du coup des discussions à avoir avec l'État sur le niveau de compensation et le type de compensation. Est-ce que c'est une dotation ? Est-ce que c'est une fraction de recette qui est aujourd'hui perçue par l'État ? Ça fait l'objet de discussions aujourd'hui entre l'Association des communautés de France et l'État. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur ce sujet ? Il n'y en a pas. On peut donc passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant concerne la détermination des tarifs de la taxe de séjour. Je donne la parole au vice-président délégué au tourisme, à la promotion du territoire et à la montagne, Patrick Lalvé. Vous avez la parole, monsieur le vice-président. Merci, monsieur le président. Donc, petit rappel donc, par rapport à la taxe de séjour. Donc, la taxe de séjour, elle a été instituée par la loi du 13 avril 1910. Elle est établie donc, pour les personnes qui ne sont pas domiciliées sur les territoires de la communauté d'agglomération et qui n'y possèdent pas de résidence, à raison de laquelle ils sont redevables de la taxe d'habitation. Elle est collectée par les hébergeurs auprès de leurs locataires, puis reversée à la collectivité, donc en l'occurrence la communauté d'agglomération. Depuis le 1er janvier 2018, donc, la commune d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a décidé d'instaurer une taxe de séjour au réel pour tous les types d'hébergements touristiques, donc ça soit les hôtels, les résidences de tourisme, les meublés de tourisme, les campings, les villages de vacances, les chambres d'hôtes et les aires de camping-car. Donc le produit de la taxe doit être affecté aux dépenses de promotion touristique du territoire. Donc le produit, en l'occurrence, est reversé à l'office de tourisme intercommunal. Donc tous les hébergements donc, d'une même nature doivent être soumis au même régime d'imposition. Alors, pour faciliter la collecte de la taxe de séjour, la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a mis en place donc une plateforme de télédéclaration en ligne. Donc, les hébergeurs doivent déclarer la taxe de séjour tous les quadrimestres, donc au mois de mai pour la période de janvier à avril, au mois de septembre pour la période de mai à août, au mois de janvier N+1 pour la période de septembre à décembre. Les tarifs de la taxe de séjour sont définis selon une grille tarifaire comprenant donc les natures d'hébergement réparties selon leur classement, et les tarifs planchers et les tarifs plafonds nationaux. Donc là, vous devez avoir le tableau qui est référent à ça. Donc, elle est votée donc, par la collectivité chaque année, donc avant le 1er octobre, pour une application au 1er janvier 2021. Donc, pour les hébergements en attente de classement ou sans classement,
Donc là, la taxe de séjour à collecter par ces hébergeurs est calculée à partir d'un pourcentage qui doit être compris entre 1 et 5% et défini par la commune d'agglomération. Donc là, ce pourcentage devra être appliqué sur le prix hors taxe des nuitées des hébergeurs concernés. Là, c'est un peu plus fastidieux à faire. Donc il est proposé ce soir donc, de faire un pourcentage à 4%. Autre part, le conseil départemental donc, lui, peut instituer sur délibération donc, une taxe additionnelle de 10% de la taxe de séjour au réel, perçue donc, dans le département par les communes et les EPCI. Donc, elle est affectée aux dépenses liées à l'accueil et à la promotion touristique également du territoire sur lequel elle est prélevée. Donc là, seul le département des Vosges a institué cette délibération, à savoir que le département de Meurthe-et-Moselle n'a pas instauré cette délibération ni de taux. Donc les trois communes de Meurthe-et-Moselle ne sont donc pas concernées par cette taxe additionnelle. Voilà. Donc là, vous avez sur le tableau, donc on peut les prendre. Bon. Alors, bon, on a repris la nomenclature nationale. Hein, donc, Palace, malheureusement, nous n'en avons pas sur notre territoire. Les hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles. Donc là, le tarif communautaire qui vous est proposé, c'est 1,18 plus 0,12 de taxes départementales. Donc, on arriverait à 1,30. Les hôtels de tourisme 4 étoiles, donc tarif communautaire 1 euro. Taxe additionnelle 0,10, donc ce qui nous ferait 1,10 €. Hôtel de tourisme 3 étoiles, donc 0,82 plus 0,08, soit 0,90. Hôtel de tourisme 2 étoiles, 0,64 plus 0,06, on irait à 0,70. Hôtel de tourisme 1 étoile, donc 0,45 plus 0,05, donc 0,50. Terrain de camping et terrain de caravanage, donc classé 3 et 4 étoiles, et 4 et 5 étoiles, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacement dans des aires de camping-car et des parcs de stationnement touristique par tranche de 24 heures. Donc là, on serait en tarif communautaire de 0,45 plus 0,05 en taxe additionnelle départementale, on serait à 0,50. Et tout ce qui est donc ensuite les terrains de camping et terrains de caravanage classés 1 et 2 étoiles et tout autre hébergement de pleine nature de caractéristiques équivalentes. Donc tarif communautaire 0,20 plus 0,02, ce qui nous ferait 0,22. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Pas de questions. Oui, Bernard. Oui. Bernard, il faut... Il n'y a que des gens honnêtes, Bernard. Il faut... Je savais que tu interviendrais parce que c'est toujours toi qui interviens sur les tarifs de taxes de séjour. Bon. Il n'y a que des gens honnêtes, voyons. Bon. Est-ce qu'il y a des... Je rappelle que le produit de la taxe de séjour, c'est-à-dire à peu près 150 000 euros hein, en 2019, ça permet de financer une partie des actions de promotion du territoire qu'on fait. Hein. C'est aussi simple que ça. Et que pour ceux qui voyagent, vous avez constaté qu'on est plutôt dans les tarifs les plus bas. Hein. Il y a des endroits où on paye beaucoup plus que ça en matière de taxes de séjour quand on voyage en France, y compris dans des territoires qui ne sont pas des très gros territoires touristiques. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Ah, il faut que tu t'abstiennes, c'est pour ça que je te regardais. Donc, une abstention, et pour le reste, c'est adopté à l'unanimité. Le point suivant, en fait, il y a deux délibérations. Enfin, ça concerne deux budgets, le budget principal et le budget des activités économiques. Pour corriger les amortissements, Monsieur le Premier vice-président. Donc, tout d'abord, pour planter le décor, cette correction est sans impact sur les résultats de la section de fonctionnement et d'investissement, car elle relève d'une opération d'ordre non budgétaire. Donc, pourquoi cette manipulation obligatoire ? C'est que, vous le savez, nous sommes issus de trois communautés de communes différentes, avec des... 6, pardon, je ne sais pas pourquoi, j'ai déjà dit 3 cet après-midi. 6, excusez-moi, pour ceux que j'ai oubliés. Donc, ce regroupement budgétaire a mis en évidence que les amortissements, pour certains, n'ont pas fait l'objet, certains investissements, certains biens n'ont pas fait l'objet d'amortissement. D'autres n'ont été que partiellement amortis. D'autres ont eu des valeurs d'amortissement supérieures à leur valeur initiale, etc. Bon, j'en passe. Donc, ce n'était pas une priorité pour ni la direction départementale des finances, ni pour la Comme d'Aglo. Donc, c'est pour ça que l'opération n'a été engagée que partir de janvier 2019.
Elle n'est pas terminée, c'est un toilettage intermédiaire. Elle concerne le budget principal 700 et le budget annexe activité économique 704. Donc, ça concerne, alors, la délibération qu'il faudra prendre, c'est pour autoriser Madame la Trésorière à effectuer un prélèvement sur le compte 1068 du budget M14 de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges d'un montant de 9 730,23 € par opération d'ordre non budgétaire pour régulariser les comptes suivants. Donc le 28-135, le 28-138 pour un montant global de 9 730,23 €. Et par là même, toujours sur le budget... toujours ce budget économie. Donc, autorise Madame la Trésorière à créditer le compte 1068 du budget M14 de la communauté d'Aglo pour un montant de 135 969,82 € par opération d'ordre non budgétaire. Donc, c'est pour le crédit à ouvrir, c'est pour les subventions, là, pour l'amortissement. Donc, au 13 911, 20 137, 24, 13 912, 69 830, 55 centimes, 13 913, 31 869, 39 et 13 910. 14 132, 64 centimes, ce qui fait un total de 135 969, 82. Ensuite, on a la même manipulation à faire sur le budget principal, donc le 700. Les sommes sont totalement différentes. Autorise Madame la Trésorière à effectuer un prélèvement sur le compte 1068 du budget M14 de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges d'un montant d'un 1 991 459,73 € par opération d'ordre non budgétaire pour régulariser les comptes suivants. Alors 28 02 3811,97, 28 031 389 374,17 pour les comptes 28 033, 28 041 411, 28 041 412, 28 041 582. Je ne cite pas les sommes, si vous voulez, je le fais, mais bon. Ensuite, vous avez 2 841 171, 2 841 182, etc. Pour un total, là je parle d'euros, plus de numéro d'article, 1 991 459,73 €. Donc il y avait quand même un gros toilettage à faire. Ensuite, autorise Madame la Trésorière à créditer le compte 1068 du budget M14 de la communauté d'agglomération Saint-Dié-des-Vosges d'un montant de 314 934,50 € par opération d'ordre non budgétaire. Donc pour les articles 13 911, 13 912, 13 913, 139 148, 139 158, 13 917, 13 918, 13 931 pour un montant significatif de 314 943,50. Je répète, ce ne sont que les deux budgets. Tout n'est pas encore toiletté. Hein, deux budgets principal et économique. Les zones artisanales et autres. Voilà. Pas d'incident sur le compte de résultat. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Non. Il n'y en a pas. On peut donc passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. On va peut-être... Oui, donc ça, c'est sur la première délibération et sur la deuxième, puisqu'il y en a deux. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant concerne l'octroi de la garantie de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges à la société Le Toit Vosgien pour des rénovations à Raon-l'Étape et à Fraise. Je donne la parole à Monsieur le vice-président délégué à l'habitat et au logement, Serge Alem. Oui, merci, Président. Donc, il s'agit d'approcher le micro très proche de son masque. Pas trop près. OK. Oui, d'habitude, on me dit toujours qu'il est trop loin. Donc là, OK. Ça va ? Oui, c'est bien. Alors, il s'agit d'octroyer une garantie donc, à la SA le Toit Vosgien, donc, de la part donc, de la communauté d'Aglo, donc de Saint-Dié-des-Vosges. Donc, il vous est proposé d'accorder la garantie d'emprunt à la SA Toit Vosgien, le Toit Vosgien, pour un emprunt à contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Alors, il y a deux cas. Le premier cas, pour un emprunt de 1 890 000 €, qui est destiné donc à financer trois immeubles situés rue Notre-Dame donc de Lorette à Raon-l'Étape. Voilà. Donc, le deuxième cas, il s'agit d'une rénovation énergétique d'un immeuble situé rue Victor-Lalvé à Fraise,
Donc celui de Raon, je ne le situe pas, je ne l'ai pas vu, mais par contre celui de Fraise, c'est juste, pour ceux qui connaissent, c'est juste après la poste. Donc en montant sur le col de Mandray, le bâtiment est juste à gauche et j'ai eu la chance de le visiter, donc les travaux cet été. Voilà, pour 308 000 euros. Voilà, donc c'est juste un accord donc de la Comme d'Aglo de garantir donc ces emprunts. Je signale que ce n'est pas quelque chose de nouveau puisque les communes par le passé qui garantissaient directement donc ces emprunts, il y a Anoul, Combrimont, Raon-l'Étape, Saint-Dié-des-Vosges, Gerbé, Pal, Fraise, Plainfin, Saulcy-sur-Meurthe et Vexincourt. Voilà, et que donc la communauté d'Aglo a repris cette garantie à son compte. On a déjà eu deux cas, hein, le 18 septembre 2018 le 25 juin 2019. Donc le 25 juin 2019, pour une réhabilitation de 16 logements sur Saint-Dié-des-Vosges, rue Les Templiers. Et donc au mois de septembre 2018, donc, il y a eu deux cas. Il s'agissait de Corsieux et de Plainfin. Des réhabilitations de 48 logements pour Corsieux et de 4 logements donc sur Plainfin. Voilà, donc, Monsieur le Président, voilà, je vous laisse demander à nos collègues de délibérer. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que des Raonnais veulent nous expliquer où est la rue Notre-Dame-de-Lorette ? Ils le feront mieux que moi, même si je vois où elle est. Carole ? On te donne le micro, Madame la conseillère communautaire déléguée et conseillère municipale de la ville de Raon-l'Étape. Alors bonsoir à tous et merci beaucoup. Donc pour faire très très simple, c'est juste à côté du centre Leclerc. Je pense que tout le monde voit où c'est très très simple. Voilà. Mais les travaux ont déjà pas mal avancé et c'est vrai que ça donne une bonne idée de ce que ça va donner d'un terme positif, d'un point de vue positif. Ouais. Ok, merci. C'est des logements qui n'avaient pas été rénovés depuis leur construction il y a plus de 50 ans. Et pour m'être rendu sur site, ça avait besoin, comme on dit chez nous. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant concerne la valorisation des espaces naturels sensibles et en l'espèce de celui de la pelouse du paradis. Je donne la parole à Madame la vice-présidente déléguée à la transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président. Les espaces naturels sensibles sont de la compétence des conseils départementaux. Dans les Vosges, on a environ 480 ENS, donc espaces naturels sensibles, qui ont été répertoriés, et 75 d'entre eux font l'objet d'une gestion. Pour déployer sa politique en la matière, le Conseil départemental des Vosges s'appuie sur une volonté locale, donc les communes ou les EPCI, et l'avis du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. La communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges est déjà engagée dans un partenariat avec le conseil départemental et le conservatoire d'espaces naturels de Lorraine au titre de la politique des espaces naturels sensibles sur le territoire de Raon-l'Étape et ce depuis le 25 mai 2018. L'activation d'un espace naturel sensible, c'est-à-dire la mise en œuvre d'un partenariat avec le conseil départemental et d'un gestionnaire sur un espace naturel sensible, permet qu'un plan de gestion y soit élaboré, réalisé et financé par le conseil départemental et ainsi permet la préservation, voire la restauration, la valorisation par des actions de sensibilisation et ou d'aménagement du dit site. Au terme de réunions techniques, de passage sur site des naturalistes, l'ENS de la pelouse du Paradis, située sur les hauteurs de Saint-Dié-des-Vosges, pour ceux qui connaissent Saint-Dié, c'est au-dessus de la Vignerie, à côté des HLM de Vaugélis, ressort comme une priorité sur le territoire de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Il s'agit d'un affleurement calcaire de 5 hectares qui accueille une flore atypique sur notre massif qui est majoritairement acide. Alors, ce sont des fleurs... j'ai pas de photo là, haute à haute tige avec des petites clochettes violettes pour certaines. Et donc, il y a des noms scientifiques, Anacomptis, Morio. Donc, je vous tairai les autres noms. Dans le cadre de la mise en œuvre d'une stratégie de préservation de la biodiversité, il vous est donc proposé de développer l'action de l'intercommunalité en faveur des espaces naturels sensibles sur l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération
et de solliciter le conseil départemental pour la préservation et la valorisation de l'espace naturel sensible de la Pelouse du Paradis, située sur les hauteurs de Saint-Dié, qui ressort comme prioritaire par les naturalistes du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Merci, Madame la Vice-Présidente. Je rappelle que, pour le moment, on est surtout intervenu. Il y a beaucoup d'espaces naturels sensibles dans l'agglomération, qui sont souvent des prairies humides, mais pas que. On est beaucoup intervenu dans le secteur de la vallée de la Plaine. Vous vous souvenez, on a racheté plusieurs fois des terrains, parfois en Meurthe-et-Moselle, parfois dans les Vosges, d'ailleurs. Et donc, on souhaitait étendre cette politique en prenant une surface qui soit plutôt petite pour pouvoir réaliser rapidement une opération. Et c'était la plus petite de celles qui avaient été identifiées, ce qui explique que ce soit celle-là qui a été retenue par les services en échange avec le conseil départemental. Et c'est l'occasion de saluer le travail qui est fait par le service environnement et notamment par Élodie Poutrieux, que je vois là-bas. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer... Oui, excuse-moi, Denis. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Monsieur le maire de la Bourgonce. Attends. À cet endroit-là, il n'y en a pas. Non. Pour habiter pas très loin, sur cet endroit-là, il n'y en a pas. Et est-ce que c'est clôturé ? Vous n'avez pas de sanglier là-haut pour retourner ? Parce qu'en général, c'est un coin qui est fréquenté, non ? Non, pas sur ce coteau. Non. Moi, j'y passe très souvent parce que j'habite dans le quartier. Et sur ce coteau, je n'ai jamais vu d'endroit retourné. On va croiser les doigts et ne pas trop en parler trop souvent pour ne pas attirer les bêtes. C'est vrai que la question de la prolifération des suidés, c'est un vrai sujet dans toute l'agglomération. C'est peut-être les ânes qui les... parce qu'il y a des ânes tout près. Donc peut-être que ça les empêche de venir. Pas d'autres questions. On peut donc passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Et donc, on sera amené à avoir des délibérations, parfois, pour acheter des parcelles, pour pouvoir préserver cet espace. Le point suivant appelle la fixation du coefficient multiplicateur de la taxe sur les surfaces commerciales à TASCOM. Je donne la parole à M. Claude Georges, premier vice-président. Merci. Donc, la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges perçoit cette taxe depuis le 1er janvier 2017. En délibération du 12 septembre 2017, fixant à partir du 1er janvier 2018 un coefficient multiplicateur de 1,05. Elle avait décidé, puisque le maximum de ce coefficient multiplicateur ne peut pas dépasser 1,20, avait décidé sous 4 années d'atteindre progressivement donc ce taux d'un 20. En septembre 2019, on était à 1,15. Ok. Alors, la taxe sur les surfaces commerciales est assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise ou qui les exploite. Sont également assujettis à la taxe les établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne, lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements est supérieure à 4000 mètres carrés. Donc on est vraiment dans la cour, on est dans le haut du panier. Le tarif de la TASCOM est déterminé en fonction du chiffre d'affaires au mètre carré. Les établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros sont exonérés de fait. Donc la collectivité a la possibilité de moduler la TASCOM de 0,8 à 1,2. Donc nous en sommes à 1,15. On vous propose cette année de passer à 1,2. Actuellement, question que vous pourriez poser, j'imagine volontiers, elle a comme produit de recette 1 010 000 euros. Le fait de passer à 1,20 nous produirait une recette complémentaire de 40 000 euros. Voilà. Donc, je ne sais pas si je peux me permettre, j'ai quelques indications sur... Non, je crois que ce n'est pas indispensable. Bref. Donc, c'est véritablement les grosses structures quoi, qui sont... sachant que c'est à nous, élus, de flécher ces recettes pour essayer de revitaliser nos centres. Je ne pensais pas nécessaire d'insister sur les enseignes. On voit bien où se concentrent les grandes surfaces commerciales. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Oui, monsieur le maire de Senones et conseiller communautaire, vous avez la parole. Oui, merci. Je me posais la question avec tous les efforts qui sont faits actuellement pour redynamiser le commerce après la crise de la Covid, et qu'on a parlé aussi d'exonération de CVAE et ainsi de suite. Est-ce que, vu le produit
que ça va procurer 40 000 euros. Je ne sais pas ce que ça donne en pourcentage, mais faible. Est-ce que ça vaut le coup, au jour d'aujourd'hui, de passer de 1,15 à 1,2 ? Il faut le voir différemment. Je pense que nos recettes, vous le dites toi-même, tu l'as dit, hein, on rentre dans une zone de turbulence et tout est bon à prendre, je suis désolé. Je dirais, on va avoir dans le budget principal moins de recettes que de dépenses. Donc, j'insiste lourdement, en tout cas, moi, ça m'engage moi. Ce sont des enseignes que je ne nommerai pas. Je suis d'accord avec le président, mais qui n'ont pas du tout été impactés par le Covid. Au contraire, je pense que là, le chiffre d'affaires, vous l'avez tous constaté, c'est surtout basé sur ces enseignes. Alors, ce n'est pas une histoire de mise en concurrence. Nous, les 40 000 vont revenir dans la Comdaglo et on ne va pas les flécher n'importe comment. Hein, c'est aussi pour développer notre politique de centre-bourg. C'est comme ça qu'il faut le voir. Il ne faut pas le voir sur... Ce sont vraiment un bien nécessaire pour nous. À la fois, ce n'est pas beaucoup hein, pour nous, mais c'est un point de départ où vous allez voir que sur les orientations des 2-3 années à venir, ça va devenir très compliqué. Donc, c'est une goutte d'eau, mais qui peut faire la différence. Oui, tu dis que ce n'est pas les... Celles qui sont touchées, celles qui ont été touchées par le Covid, ne rentrent pas dans cette case-là. Comment arriver à démontrer, être sûr de ce coup Je ne peux pas démontrer ça. C'est un sentiment que vous avez tous vécu. Vous avez vécu la frénésie de cette pandémie dramatique. Des grandes enseignes étaient... littéralement prise d'assaut aussi. Donc, je veux dire, Non, mais ce n'est pas les grandes enseignes. Tu as dit que c'était à partir de ces 400 mètres carrés. Donc, 400 mètres carrés, ça reste faible quand même. Ce n'est pas les grandes enseignes commerciales telles c'est qu'on le les chiffre connaît. D'affaires, c'est le chiffre d'affaires par mètre carré. Donc, attention, ce n'est pas que les mètres carrés. C'est le chiffre d'affaires en dessous par de 460 000 euros était exonéré. De fait. Mais supérieur, toutes les enseignes supérieures à 400 mètres carrés, 400 mètres carrés, ça reste modeste quand même. Et ce n'est pas celle qu'on imagine, les grandes surfaces. Celle-là, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas photo. Mais il y a sûrement un créneau moyen qui va subir cette hausse. Une simple réflexion. Sachant que l'ensemble du produit se retrouve sur 20% des gens qui payent, quoi. Le produit d'un million émane de 20% des références concernées, quoi, des commerçants concernés. C'est à mettre aussi dans la réflexion. La plus grosse partie des contributeurs est concentrée sur 6 ou 7 enseignes. C'est ce qu'il faut avoir en tête. Une enseigne, excusez-moi, je reprends, il y a une enseigne qui paye un quart. Voilà, donc c'est pour juste... je ne peux pas donner de nom, si le président a raison. Mais voilà, pour situer le contexte, quoi. Et puis, on s'était mis d'accord à l'époque de l'ancien Conseil communautaire. On avait dit que c'était une des taxes qu'on pouvait augmenter au motif que, effectivement, ça rétablissait, enfin, ça frappait des secteurs qui étaient un peu moins frappés que les autres. Et qui, pour la plupart d'entre eux, notamment pour ceux qui étaient dans l'alimentaire, sont les seuls commerces à être restés ouverts, enfin, à part les commerces alimentaires de centre-ville, mais pendant cette crise. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Il n'y en a pas, on peut donc passer au vote. Qui est contre ? Une qui s'abstient. C'est donc adopté à l'unanimité, moins une voix. Sur le point complémentaire, donc sur la convention, la mise en place d'une convention DGFIP et la création d'un réseau de proximité, je donne la parole à Madame Caroline Lerognon, vice-présidente déléguée à l'enfance, la jeunesse et au service au public. Vous avez la parole, Madame la vice-présidente. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit ici d'autoriser le président à signer une convention entre la Direction départementale des finances publiques des Vosges et la communauté d'agglomération, qui a pour objet de préciser les engagements de la DGFIP au profit des usagers et des élus locaux sur notre territoire. En effet, la Direction générale des finances publiques a lancé le 6 juin 2019 l'évolution de son réseau sur le territoire. En 2021, deux conseillers aux décideurs locaux interviendront au profit de l'ensemble des élus
du périmètre de la communauté d'agglomération. Les objectifs du conseiller aux décideurs locaux sont de délivrer un conseil individualisé à chaque commune et à chaque EPCI, répondre aux besoins des élus locaux et leur apporter un éclairage pour faciliter leur prise de décision, expertiser la situation d'une commune ou d'un EPCI sous l'angle financier, budgétaire, fiscal, économique ou domanial, accompagner les élus dans la mise en œuvre du process innovant ou sensible, informer les élus, réforme fiscale, être un relais pour toutes les problématiques relevant de la DGFiP. Le premier conseiller sera mis en place dès septembre 2020. Il s'agit de Clément Anderlin, inspecteur actuel trésorier de Senone. Il sera basé à Saint-Dié-des-Vosges. Il assumera la fonction pour 43 communes du ressort de la trésorerie de Senone 20 et 23 qui relèvent de la trésorerie de Saint-Dié. Le second poste arrivera au 1er septembre 2021. Il est proposé que les conseillers soient localisés dans les locaux de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et non dans la trésorerie pour éviter que ces agents soient sollicités par la trésorière et ne puissent pas correctement assurer leur mission de conseil. La communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges doit fournir un espace de bureau pour accueillir les conseillers. Ils disposeront de leurs propres outils informatiques. Voilà ce que je peux dire sur cette délibération. Merci, Madame la Vice-Présidente. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Oui, Monsieur le maire de Senone et conseiller communautaire, vous avez la parole. Oui, accepter cette convention de la DGFiP, c'est négliger le travail de nos collègues qui ont œuvré pour remettre en cause cette éventuelle réforme. Parce que c'est, en fait, on parle de concertation avec les élus qui sont concernés, mais concertation, il n'y en a pas eu, parce que en fait, le directeur de la DGFiP avec ses agents sont venus nous présenter une refonte de l'organisation territoriale à sens unique, puisqu'ils nous ont présenté une version. Donc la première fois, on les a reçus poliment. Je rappelle que cette démarche, elle a été initiée sur pratiquement tous les territoires des Vosges. On n'est pas les seuls à avoir engagé cette procédure-là. Et je rappelle que tout, par exemple, dans la communauté de communes du Pays des Abbayes, tous les élus ont délibéré contre cette réforme. Donc il y a eu un travail de fond. Et ils sont revenus une deuxième fois pour nous en rajouter une couche, surtout quand ils disent augmenter le nombre de communes où la DGFiP apportera un service de proximité aux usagers. Là, c'est se moquer du monde, c'est se moquer des usagers, c'est se moquer des territoires ruraux, ce qu'on nous l'a déjà fait. Hein. D'autres services d'État ont déjà eu cette même pratique et ils sont aujourd'hui complètement disparus. Donc, nous avons tous délibéré, et je répète, pas simplement au niveau du Pays des Abbayes, mais également sur l'ensemble des Vosges, de Neuchâtel, Bruyères, pour avoir consulté mes collègues. Je rappelle l'émotion à la fois des parlementaires et des maires ruraux, en l'occurrence Michel Fournier, qui était monté au créneau, et pour que les services de la DGFiP revoient leur copie et nous proposent quelque chose en concertation avec les élus. La loi dit que toute suppression de services publics, il faut que ça soit effectivement concerté avec les gens concernés et non pas d'autorité, comme le fait la DGFiP ici à travers cette proposition de convention. Donc, signer cette convention, c'est ne pas respecter le travail qui a été fait en amont par l'ensemble des élus, pas simplement sur les élus de la communauté d'Aglo, une partie, mais sur d'autres territoires. On peut vérifier, hein. Tout le monde pratiquement a délibéré sur cette réorganisation qui, encore une fois, quand on dit concertation, c'est complètement bidon, si j'ose dire, puisqu'ils imposent leur façon de voir les choses et en fait, c'est remettre en question l'organisation territoriale. On dit que les communes, il faut qu'elles soient attractives et on supprime naturellement tous les services publics. Donc c'est quand même 16 établissements qui sont sur la sellette. David, tu le sais aussi bien que moi, 11 trésoreries qui devraient sur 18, je crois.
Il y a 3 services aux entreprises, 2 services aux particuliers qui sont censés disparaître dans cette réorganisation. Là, on veut nous faire avaler des couleuvres en signant cette convention. Ça veut dire que, malgré les tentatives et les votes contre, les délibérations contre cette réorganisation de je ne sais pas combien d'élus, mais le pourcentage, il serait bon à faire, de tous ceux qui ont délibéré contre cette réorganisation, il va passer comme une lettre à la poste. Donc, moi, je demande à mes collègues de bien réfléchir à ce qu'on va faire ce soir si on accepte cette convention, parce que ça veut dire qu'on obéit au doigt à l'œil à la DGFiP et qu'elle va mettre en place sa réorganisation facilement, sans qu'ils tiennent compte du tout de l'avis des élus de terrain. Donc, il faut réfléchir, effectivement. Et cette convention, je propose à mes collègues de ne pas voter cette convention, parce qu'il y a déjà d'autres services publics qui ont déjà vanté la même chose en nous disant « Vous allez voir ce que vous allez voir, on va être plus proche des usagers. » Eh bien, ce n'est pas en supprimant des lieux de proximité qu'on va être plus proche des usagers. Donc, en fait, ils veulent répondre à une équation simple, pas de personnel, donc on regroupe tout le monde en un seul et même lieu, et puis la solution est plus facile pour eux. Donc, réfléchissez avant de voter. Si on s'engage dans cette convention, c'est accepter la réorganisation où il n'y a pas eu de concertation avec les élus. En tout cas, on n'a jamais tenu compte de ce que les élus voulaient dire aux responsables de la DGFiP. Merci, monsieur le maire. Je me permettrai juste de faire une petite précision. Le schéma qui vous est présenté ce soir, du point de vue des services fiscaux, est différent de celui qui avait été présenté par la Direction départementale des finances publiques, y compris à Senones, pour la bonne raison que ce qui était envisagé au départ, c'était la fermeture de la trésorerie de Drahan-l'Étape. Or, dans le projet, il est prévu de la maintenir, et de la maintenir parce qu'il y a eu un échange entre la mairie de Drahan-l'Étape et la communauté d'agglomération, ce qui n'a pas été le cas avec la mairie de Senones, pour essayer de construire un projet commun. Et c'est pour cette raison que la trésorerie de Drahan-l'Étape vous est proposé d'être maintenu jusqu'en 2026 parce que la mairie de Drahan-l'Étape, pour défendre sa trésorerie, s'est appuyée sur l'agglomération. Alors, je pensais que quand on était en communauté d'agglo, c'était pour défendre l'intérêt des 77 communes. S'il y en a un qui joue sa carte personnelle, où va-t-on alors ? Chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Moi, que la trésorerie de Drahan-l'Étape soit maintenue, pourquoi pas ? Mais c'est toutes les autres qui sont... Et c'est en jouant une carte personnelle, c'est pas comme ça que j'avais compris l'intérêt de la communauté d'agglo. La communauté d'agglo, elle devrait défendre l'ensemble des 77 communes et ses services, les services publics. Alors là, autrement, alors, je ne sais pas à quoi on sert et à quoi sert la communauté d'agglo. On sert, par exemple, à investir à Senones sur un bâtiment relais. Un bâtiment relais. Il y en avait 3 qui étaient en préparation. On en a réussi en se battant avoir un. Bon, allez, on ne va pas rentrer là-dedans parce que... Non, ce n'est pas le sujet. Simple précision, juste pour commenter tes propos. Je ne suis pas sûr que ce soit la commune de Drahan-l'Étape qui joue perso. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Et la voix du maire de Drahan-l'Étape, elle a été celle-ci, il s'est opposé à toutes les fermetures des trésoreries, en tout cas qui étaient prévues. Je rappelle que rien que pour la trésorerie de Drahan-l'Étape, et je le garde en trophée, j'ai un courrier qui date du 19 décembre 2015 d'un ancien ministre de l'économie qui me disait que la trésorerie de Drahan-l'Étape, malgré tout, fermerait.
On s'est tous battus, tous les maires se sont battus pour qu'on puisse conserver nos services. Moi, ce que j'ai fait avec le directeur des finances publiques à l'époque, c'est que je lui ai dit, écoutez, on ne s'est pas parlé pendant un moment, on s'est opposé sur les faits. Maintenant, mettons-nous autour d'une table et parlons. Je lui dis, moi, j'ai une proposition à vous faire. Raon-l'Étape est une commune importante, une commune chef-lieu de canton et une opposition ferme de ma part, comme ça a été une opposition ferme de la part de nombreux maires, de s'opposer vraiment à cette fermeture. Bon, j'ai été entendu, j'ai été écouté en disant qu'on avait des services aussi qui étaient importants au niveau de Saint-Dié et que Saint-Dié ne pourrait pas absorber la totalité des actes à réaliser par une trésorerie. Voilà, je me suis juste défendu, comme de nombreux maires, et tu en fais partie, se sont défendus, avec plus de réussite que d'autres. Je ne peux m'en excuser, hein, c'est comme ça. Mais évidemment, je suis fortement... je suis malheureux que ça se soit passé comme ça dans le département. Il y a eu une réunion en préfecture, et Michel Fournier était là aussi. On a défendu toutes les trésoreries qui étaient susceptibles de fermer. Voilà, il y a un schéma qui existe. Encore une fois, je ne veux pas m'excuser parce que j'ai sauvé la trésorerie raonnaise. Je n'ai pas demandé de t'excuser, au contraire, tu défends ta ville, tu défends ta trésorerie avec les moyens qu'elle a. Donc, mais ça, personne, en tout cas le directeur de la DGFIP, ne nous a pas proposé de se mettre autour d'une table et de discuter sur ce que nous, on avait à lui proposer. Un lieu même, on aurait pu en discuter. On n'a jamais eu l'occasion d'en discuter avec l'ex-directeur, je ne sais pas s'il y est toujours, M. Naher, mais en tout cas, il ne nous a jamais fait la proposition, une autre proposition que celle qu'il a amenée dans ses cartons. Donc, comme vous avez réussi à vous mettre autour de la table, nous, on n'a jamais eu l'occasion, et bien dans d'autres secteurs aussi, on n'a jamais eu droit à la parole. Donc, ces messieurs arrivent avec leurs sabots, et puis ils imposent leur façon de voir. Donc, voter aujourd'hui cette convention, eh ben c'est leur donner raison au détriment de tous les élus qui ont délibéré contre la suppression de ce service public. Je rappelle que, en fait, si on vote contre, ce sera juste une délibération de principe. La seule chose qu'on perdra, c'est sûr, c'est les deux emplois qui seront destinés au Conseil des communes et qui seront implantés dans les services de l'agglomération. C'est la seule chose qu'on perdra. Et ça n'aura pas de déficit. Si on parle emploi, David, tu feras le total de ceux qui sont perdus dans le cadre de la réorganisation par rapport à la situation existante. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas le pouvoir au stade où on en sont. Tu l'as dit, ça fait des années que ce sujet est sur la table, plus de 10 ans. Et au stade où on est arrivé, où en sont arrivées les choses, si on vote contre, la seule chose qu'on perdra, c'est les deux emplois destinés au Conseil et aux communes, et on n'empêchera pas ce qui, de toute façon, a été décidé. Mais on n'a pas le droit de dire amen sur un truc qui nous est imposé. La loi oblige la négociation. Et là, il n'y a pas de négociation. Il n'y a rien eu. Le collègue de Raon a dit qu'il avait... Oui, mais lui, il a eu la chance. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Il n'y en a pas. On peut donc passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est donc adopté. Merci beaucoup. Et on ne sait même pas le résultat. C'est vite fait. Il va y avoir 14... Non, mais... Oui, on peut compter, si tu veux. Oui. Comptez ceux qui votent contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Comme j'avais dit. 14. Le point suivant appelle l'instauration d'une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Je donne la parole à Monsieur le Premier vice-président. Merci. Donc, GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Vous devez connaître, je suppose. C'est un vaste débat. On est quand même concerné par les inondations dans le bassin Meurthe, hein, au niveau de Saint-Dié, Étival et Raon-l'Étape. Donc, le contenu législatif de la compétence GEMAPI. Premièrement, c'est l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique. Deuxièmement, l'entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau et à ce canal.
la défense contre les inondations et contre, bon, et contre la mer, là, ça va aller, la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que des formations boisées riverains. Alors, en résumé, cette compétence regroupe les actions d'entretien et de restauration des cours d'eau, zones humides et milieux associés. Actuellement, c'était une compétence qui était déjà assurée par plusieurs communautés de communes qui ont fait la communauté d'agglo. Ensuite, alors, là, c'est la communauté d'agglomération a choisi d'adhérer à l'établissement public territorial de bassin plus connu sous le terme EPTB, Meurthe et Madon pour le bassin de la Meurthe, transfert de là. Ça, je ne sais pas, excusez-moi. Le PTB réalise des études en vue de finaliser des plans d'action de prévention d'inondations sur le bassin de la Meurthe pour ensuite pouvoir mettre en œuvre les travaux inscrits dans ce programme. En fait, il travaille énormément sur la continuité écologique pour remettre en état certains ouvrages, en supprimer d'autres, travailler également sur les berges. Donc, ça concerne l'ensemble de notre territoire. Il y a beaucoup d'actions actuellement qui ont été réalisées sur la plaine, sur le Rabodeau et ailleurs. Alors, côté technique, ce n'est pas ma spécialité, c'est plutôt celle d'Aurélien Banzet, mais là, je suis là ce soir surtout pour parler financement de cette compétence. Donc, un rappel chronologique assez rapide. Il nous faut prendre une décision sur la création de cette taxe GEMAPI avant le mois d'octobre, sachant qu'à cette réunion d'aujourd'hui, en aucun cas, on ne travaille sur le taux ni sur le montant des recettes nécessaires pour équilibrer ce budget. Hein, c'est juste sur la formulation d'instaurer cette taxe. Avant le 15 avril, il nous faudra décider des recettes nécessaires pour équilibrer le budget. Alors, pourquoi on arrive à cette discussion sur la taxe GEMAPI ? Tout simplement parce que c'est assuré actuellement depuis 2017 par le budget général. Le budget général, tout le monde s'entend bien à dire qu'il explose. En tout cas, il est, à mon goût, il a toujours été très bien géré, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ne doivent pas y être. Ça, ces dépenses qui ne sont pas négligeables. En 2017, elle était de l'ordre de 115 000 euros. En 2018, le budget général a abondé pour 200 000 euros. En 2019, il a abondé pour 230 000 euros. Et les prévisions budgétaires de 2020 vont vers 270 à 300 000 euros. La question est la suivante, c'est de savoir si on continue dans cette optique-là ou si, comme la loi nous l'autorise, c'est à lever la taxe dite de GEMAPI, appelée GEMAPI. Aujourd'hui, pour information, pour vous permettre de juger de l'opportunité, la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccara l'a instaurée depuis 2018 à hauteur environ 2,80 € par habitant. Ensuite, la communauté de communes du pays de Celles et Envermois, Saint-Nicolas-de-Port, l'a instaurée en 2018 pour 1,90 € par habitant, pour 2,90 € par habitant en 2019, c'est par rapport à leurs travaux, bien sûr, hein. En 2020, pour 5 €. La communauté de communes de Moselle et Madon, côté de territoire, je crois, 9 maisons, l'a instaurée pareillement en 2018 pour 2,80 €, 2020, 2,80 €. La communauté de communes des Vosges, côté sud-ouest, l'a instauré en 2018 pour 2,12 €, 2,38 € en 2019. Nous n'avons pas connaissance du taux de 2020. Ensuite, nous avons la communauté de la Porte des Vosges méridionale qui l'a instauré en 2019 pour un montant de 2,98 € par habitant, équivalent habitant, et de 2,27 € pour 2020. Et nous avons la communauté de communes du pays du Saint-Ois qui l'instaure en 2020. À compter de 2020 pour 4,11 €. Voilà. Nous avons également des collègues du Ballon des Hauts-de-Vosges qui sont en pleine réflexion comme nous, éventuellement pour l'instaurer. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Elle se calcule, en fait, nous devons fixer, si la taxe est instaurée, nous devrons fixer, lors du débat budgétaire, un montant de recettes pour équilibrer nos dépenses. Ça sera un choix. Il faudra choisir les dépenses et les recettes. Les recettes que nous aurons besoin, nous les communiquerons à la DGFiP, qui elle-même fera son calcul, puisque ça s'est répercuté, elle va nous donner un coefficient, un taux, puisque ça va avoir une incidence sur la CFE, le foncier bâti et non bâti. Donc, ça, c'est le mécanisme de fonctionnement pour avoir les recettes liées à la taxe GEMAPI.
J'ai peut-être été assez clair, je suppose. Sur le côté technique, j'avoue que là, ça serait plutôt Aurélien qui pourrait m'aider. Mais sur le côté financier, je pense avoir été très, très clair. Il faudrait, avant le 1er octobre, prendre la décision d'instaurer cette taxe, qui peut être à zéro au 15 avril, bien entendu. Attention, hein. Ça dépendra du choix que vous aurez fait, si oui ou non, on commence à remettre les choses à leur place et de ne pas tout abonder du budget général vers des compétences qu'on a décidé de prendre, quoi. Je vous l'ai dit, hein, les dépenses de 2017, c'était de 115 000. Dépenses de 2018, 193 000, puisqu'il n'y avait pas de recettes. Hein, c'est nous qui avons équilibré. Il y a quelques subventions, bien sûr. Ça, c'est le résiduel de dépenses. Hein, il y a quelques subventions en fonction des programmes. Ben, il y a des études et des travaux. Non, il y a aussi des études et des travaux. Hein. Ça correspond aux deux, hein. Qui ont été réalisés sur la plaine, sur le Rabodeau. Hein, je pense que... Il y a deux choses dans ces dépenses. Il y a la contribution à l'établissement public de bassin, qui réalise donc des études pour pouvoir réaliser des aménagements pour protéger des inondations, dont vous savez qu'avec les pluies orageuses qui vont se multiplier, on en est de moins en moins à l'abri. Et d'autre part, il y a des investissements qui sont réalisés, par exemple, pour pouvoir rétablir la continuité écologique des cours d'eau, pour pouvoir tailler les arbres en bordure des cours d'eau pour qu'il y ait moins d'embâcles qui tombent dans les rivières. Donc concrètement, quand on est sur la compétence prévention des inondations, on est sur une compétence qui a été transférée par l'État sans compensation financière aux intercommunalités dans le cadre de la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République. Et dans les autres interventions volontaires qu'on réalise, notamment en bordure des cours d'eau, on est la plupart du temps dans une substitution de l'action publique aux particuliers parce que on pense que ce sera fait de façon régulière. Ça a été fait sur la Petite Meurthe, ça a été fait sur la Meurthe, ça a été fait sur la Plaine, ça a été fait sur la Fave dans des interventions pour couper des bords de rivières et de façon à avoir moins d'embâcles dans les rivières. Est-ce qu'il y a... Oui, William, monsieur le maire de Saint-Michel-sur-Meurthe et conseiller communautaire. On ne peut évidemment pas être insensible à ces problématiques. Hein. C'est quelque chose, bien que l'obligation appartienne aux riverains, pour beaucoup, on sait très bien que si les instances publiques ne prennent pas en main ce genre de problématiques, ça ne sera pas fait. Alors ça, c'est une chose. Par contre, est-ce qu'il y a obligation d'équilibrer dépenses-recettes? Parce que ça peut aller très loin à un moment donné. Non, c'est pas une obligation, puisque l'instauration de la taxe, c'est une volonté qui n'est pas, je dirais, obligatoire. Pour répondre à ta question, c'est un choix. Comment? Elle sera levée comment? En pourcentage sur une assiette de base ou bien tant par habitant? Non, c'est le calcul mécanique, je ne le connais pas. Hein. Je viens de le dire que c'était une recette qu'on aurait à décider. On équilibre ou on n'équilibre pas. On peut équilibrer partiellement. Ensuite, ça sera un calcul fait mécaniquement par la DGFiP qui sera actionné sur la CFE, le foncier bâti, le foncier non bâti. Alors, la formule de calcul, je ne la connais pas. Comment ? Oui, c'est CFE, foncier bâti. C'est déjà inscrit, effectivement, et c'est à zéro. Tu as raison, c'est déjà inscrit et c'est à zéro. Mais on n'est pas obligé d'équilibrer, c'est un choix. Alors, on est bien d'accord, c'est bien une ligne de plus sur le prélèvement de l'impôt local. Et je me méfie toujours de la représentation qu'on se fait de petites sommes. Hein ? C'est-à-dire, on peut dire, allez, une famille de 4 personnes à qui on va demander 12 euros, c'est pas dramatique, hein ? Mais il est quand même des cas où, en ajoutant et en surajoutant un certain nombre de contributions, si cette contribution doit être mise en place, je voudrais qu'on puisse, d'un commun accord, pas décider, mais prédessiner une volonté de ne pas la rendre extrêmement lourde. Pour un équilibre complet, on peut toujours l'augmenter si nécessaire, mais avant d'avoir étalonné sur une famille ce que ça représente quand même. Voilà. C'est une taxe affectée. En fait, la DDFIP regardera très précisément ce qu'on perçoit, elle regardera ce qu'on dépense. Donc c'est aussi simple que ça.
On n'a pas la... C'est pas le cas, par exemple, pour le versement en mobilité, ancien versement transport. Ça n'est pas, à proprement parler, une taxe affectée. Ça pourrait le devenir si on avait un budget annexe. En l'espèce, là, on est obligé de consommer à 100% le produit de cette taxe. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole sur ce sujet ? Il n'y en a pas. On peut donc passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il y a donc trois votes contre et 4 abstentions. Merci beaucoup. Le point suivant concerne l'acquisition de biens immobiliers auprès du Toit Vosgien. Je donne la parole à Madame Annabelle Soudière, vice-présidente déléguée aux ressources humaines, à l'enseignement supérieur et à la formation. Vous avez la parole, Madame la vice-présidente. Merci, Monsieur le Président. Donc, alors, pour parler du contexte d'abord, il faut rappeler que depuis juillet 2018, la ville de Saint-Dié-des-Vosges et l'agglomération et la communauté d'agglomération sont lauréates de deux programmes, donc le programme d'action cœur de ville et le programme de revitalisation des bourgs-centres. Alors, dans ce cadre, se préoccuper du devenir des friches industrielles, des friches administratives, des friches médicales constitue une vraie priorité. Or, il se trouve que plusieurs organismes de formation ont manifesté leur désir de s'implanter dans la ville-centre. C'est dans ce contexte-là que le site de l'ancienne entreprise métallurgique SDMA a été identifié comme un espace disponible et finalement idéalement situé. Alors, pour rappel, c'est une entreprise qui a fermé en 2009. Son terrain a été ensuite acquis par le Toit Vosgien, qui avait à ce moment-là pour objectif de construire des logements neufs. Et puis en 2014, le Toit Vosgien a changé de politique et a souhaité finalement davantage rénover les logements existants plutôt que d'investir dans la construction de nouveaux logements. Donc du coup, de ce fait, ce terrain ne l'intéresse plus. Alors, quand je disais qu'il est idéalement situé, pour le localiser, il est encadré par les rues Ménanti, Folmar et Héliol, très très proche de l'INSIC, donc l'école d'ingénieurs, du centre de recherche du CIRTES, non loin de l'IUT et à 10 minutes de la gare. Donc, il s'agirait d'acquérir ces parcelles qui font 6500 m² en tout. Il y aurait une des parcelles de 4425 m² qui serait destinée à accueillir le centre de formation des apprentis de l'industrie. Donc, ce CFAI est actuellement basé à Sainte-Marguerite. Or, il manque d'espace, il est obligé de louer des salles à l'extérieur. Et en plus, il souhaiterait s'agrandir en développant de nouvelles filières, lui permettant d'accueillir plus d'apprenants. Actuellement, il en a 40, il envisagerait de pouvoir en accueillir 120. Et puis l'autre parcelle, elle pourrait constituer une réserve pour de futurs projets économiques et pédagogiques. Alors, il vous est proposé de délibérer sur l'acquisition de ce terrain. Ça représente un montant de 470 000 euros, soit 72,30 euros du mètre carré. Un prix qui est en cohérence avec l'estimation qu'en a fait les domaines, qui est de 71 euros du mètre carré. À noter que la communauté d'agglomération bénéficie d'une subvention pour cet achat de 80 000 euros dans le cadre du contrat de ruralité. Alors, sachant que 470 000 euros, sachant que ce terrain avait été acquis en 2011 par le Toit Vosgien à 486 882 euros exactement. Voilà, il vous est proposé donc d'autoriser le président à acquérir cette parcelle. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente et Madame le maire. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Oui, William, Monsieur le maire de Saint-Michel-sur-Meurthe et conseiller communautaire, vous avez la parole. Oui, je pense que l'acquisition de cette parcelle, notamment en direction du CFA, serait une forme de contribution de la communauté d'agglo à l'élévation d'une structure renouvelée pour le CFA. C'est bien cela. Ça veut dire qu'on décaisserait
de notre budget ces sommes. On garderait la parcelle inutilisée puisqu'il y en a pour un autre objet et on ferait offre au CFA pour cette formation. La cause est parfaitement noble. Si on se positionnait défavorablement à cela, je suis persuadé qu'on titrerait, regardez, ils sont contre la formation de nos jeunes dans l'agglo, etc., etc. Je tiens simplement, je suis favorable, hein, mais je tiens simplement à rappeler les lourds engagements financiers que nous avons à l'heure actuelle sur tous les équipements que nous sommes en train de faire et que ces lourds engagements financiers pèsent et ne sont et sont comment sont relativement compliqués à couvrir en recettes. Hein. Je dis que on a un budget fragile, on le sait, et qu'il faut quand même faire attention. Donc la cause est noble, on ne peut pas, on ne doit pas s'opposer à ce. Hein, mais prenons conscience quand même que là, ça va être 400 000 euros en net qui vont partir dans cette opération. Et c'est une belle opération, c'est une opération qui mérite d'être menée, mais soyons toujours vigilants à l'équilibre de nos budgets. Oui, on l'a toujours été. Après, il y a une relation de cause à effet qu'il faut tout de suite expliciter, dire qu'il y a eu des projets ambitieux et que ce qui va se passer dans les deux ans qui viennent sera causé par ces projets ambitieux. C'est oublier une antienne qu'on va entendre dans toutes les communes, bien qu'elle n'ait pas une fiscalité assise sur la taxe, sur les impôts professionnels, elle, qu'on va entendre dans tous les départements, bien qu'il n'ait pas majoritairement une fiscalité assise sur les impôts professionnels, eux, et qu'on entendra dans toutes les régions, parce qu'elles ont une fiscalité majoritairement assise sur la fiscalité professionnelle, elle, qui est la réalité des effets de la crise économique, dans ce qu'on va vivre dans les deux ans qui viennent, pour une très large part, et d'ailleurs ça rejoint une remarque que tu faisais hein, quand on parlait du dynamisme de ce qui nous était transféré pour compenser la taxe d'habitation, je m'en souviens très bien, tu disais oui, la fraction de TVA hein, pour les intercommunalités et la taxe foncière perçue par les départements jusque-là pour les communes, tu disais oui, c'est une recette intéressante et elle progresse quand il y a de la croissance économique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'effet principal sur les finances qu'on va connaître dans les années qui viennent, c'est l'effet de la crise économique qui va se ressentir, et c'est bien d'y insister. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le sujet ? Il n'y en a pas. Oui, une, Denis. Est-ce qu'on n'a pas peur pour ce projet de l'évolution démographique ? Parce que vous annoncez 120 apprenants, c'est ça ? Oui, c'est le, pour le projet. C'est une simulation par rapport aux filières que oui. Le CFAI souhaiterait développer. Bon, à savoir qu'on perd 800 à 900 gamins dans le primaire à cette heure. Oui, mais ils viennent pas. Tous ces apprenants viennent de tout le Grand Est, oui, voire au-delà. Oui, mais les autres départements aussi, hein, ils ont une chute démographique. Oui, mais il n'y a pas des SFA mais partout, en fait. Hein. Bon, c'est ambitieux, c'est bien. C'est une structure qui propose quelque chose qui ne se retrouve pas partout sur le territoire national. Donc on peut imaginer qu'on aurait des étudiants qui viendraient de l'autre bout de la France. Oui, oui, non, mais je comprends bien. Voilà. Je précise, parce que ça, mais William l'a dit implicitement, que évidemment, ça n'est pas l'agglomération qui investira pour construire le bâtiment. Hein, c'est l'Union des industries métallurgiques et minières qui est déjà aujourd'hui qui est à l'origine de l'offre de formation qui a été développée à Sainte-Marguerite, qui bénéficiera pour cela d'une subvention de la région Grand Est pour presque 50% du projet. Et qu'effectivement, la mise à disposition du terrain pour la partie qui sera mise à disposition, c'est notre part de contribution à ce projet, c'est très exactement cela. La question que je pensais que tu poserais, Denis, c'est celle de la cohérence de l'offre de formation à l'échelle du territoire. Parce que la réforme de la formation telle qu'elle est intervenue permet aux établissements d'enseignement secondaire comme les lycées de développer une offre d'apprentissage, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et d'ailleurs, ils y sont plutôt incités par le rectorat. Je pense que... et donc, il pourrait y avoir potentiellement
risque de concurrence entre des offres de formation se positionnant sur les mêmes secteurs d'activité dans un même territoire parce que ces formations sont jugées, entre guillemets, rentables, c'est-à-dire attractives, d'une part, et avec un taux d'employabilité élevé. Ce qui est souvent le cas des formations d'apprentissage dans l'industrie. Ce que je veux dire là, c'est que à travers ce projet que nous soutenons aujourd'hui en acquérant ce terrain, il y a la question en pointillé de la compétence enseignement supérieur. Là, on voit bien qu'il y a aussi une vocation économique, mais la compétence enseignement supérieur et formation de la communauté d'agglomération, et aussi de la vocation de la communauté d'agglomération à organiser un concert territorial, ou plutôt une concertation territoriale, entre les acteurs du monde éducatif du territoire, pour éviter qu'il y ait cannibalisation entre les offres de formation qui pourraient être proposées sur ce territoire. Pour en avoir discuté avec certains des proviseurs des lycées professionnels de notre territoire, ils sont prêts à participer à cette conférence, disons, de la formation et de l'enseignement supérieur sur le territoire pour avoir une vraie offre coordonnée entre les différents sites de formation qui existent à l'échelle de l'agglomération. Donc à nous demain de faire vivre cette instance, de la créer, de l'installer et de l'animer. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur ce sujet ? Oui, Denis. Oui, moi, je m'interroge un peu. On va acheter le terrain. Le terrain appartiendra bien entendu à la Com d'Aglo. On va le mettre à disposition pour monter ces bâtiments. Bon, y a une loi qui dit que le sol l'emporte sur les murs. Ça ne sera jamais bien clair. On verserait une subvention de 470 000 et ils achètent le terrain. Ça ne serait pas plus simple ? Dans l'équilibre du projet, c'est une formule. On a longtemps travaillé, ça fait plus de 2 ans. D'ailleurs, il y a eu une délibération du bureau décisionnel pour solliciter des subventions. La formule qui convenait le mieux à l'UMM, c'était cette formule de mise à disposition du terrain. Probablement avec un bail emphytéotique. D'ailleurs, il faut essayer de clarifier cette question. Mais c'est la formule qui leur convenait le mieux donc, pour le portage foncier. Ça a été longtemps travaillé et mis au point. Et puis, si je suis ton raisonnement, c'est plutôt en notre faveur qu'en notre défaveur. S'il y a d'autres demandes de prise de parole, il n'y en a pas. On peut donc passer... Oui, une, Madame Chrétien, allez-y. Madame l'adjointe au maire de Senones et conseillère communautaire. Moi, ce qui m'étonne quand même un peu, c'est le prix du mètre carré d'une friche industrielle qui est quand même recouverte pour la moitié de bitume, enfin de goudron, de revêtement goudronné, on va dire, d'arbres qui ont du mal de pousser, alors que vous nous dites que ça fait quand même plus de 10 ans que c'est dans l'état-là. Alors je me demande quand même que ça fait cher du mètre carré, surtout si on n'est pas sûr que ce soit vraiment dépollué. Parce que je pense que la végétation aurait pu pousser quand même un peu plus vite, vu les dates que vous nous donnez. Elle aguait à peu près tous les ans, la végétation. Je vous le dis volontairement, parce que pour passer souvent par là, je peux vous dire qu'il y a des coupes tous les ans. Enfin, je passe peut-être un peu plus souvent que vous quand même, par là. Et donc, je peux vous dire que c'est élagué tous les ans et c'est la raison pour laquelle on n'a pas des arbres de 10 mètres de haut sur cette parcelle. D'autre part, on l'achète au prix auquel le bailleur social l'avait acheté. Je rappelle qu'on n'achète pas à un organisme financier ou à un privé qui veut faire du bénéfice. On achète à un organisme de HLM. Et qui ne fait pas de dividendes distribués à des actionnaires, mais qui réinvestira les recettes qu'il réalise dans de la rénovation de logements, exactement comme sur les projets immobiliers qu'on vient de voter. Donc voilà, il faut aussi mettre ça. Ce serait une acquisition. Et aujourd'hui, ce bien-là, il figure dans les actifs de la société HLM. Si demain, vous l'achetez moins cher, c'est une perte nette, en fait, pour la société dans son bilan comptable. C'est aussi comme ça qu'il faut le voir, par rapport au prix auquel elle l'a acheté, puisqu'on achète 16 000 euros moins cher que ce qu'elle a acheté il y a 10 ans. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur ce sujet ? Il n'y en a pas. On peut donc passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, il y a 2 abstentions. Oui, je savais pour M. Lalande 4. C'est donc adopté à l'unanimité des suffrages exprimés. Le point suivant concerne une convention avec l'État pour le contrat de territoire lecture. Je donne la parole à Madame la vice-présidente déléguée à la culture, à la mémoire et aux grands événements. Vous avez la parole, Madame la vice-présidente. Merci, Monsieur le Président.
Donc là, il s'agit de vous proposer la signature d'une convention avec l'État pour le contrat territoire lecture, le CTL. Le principe du CTL repose sur l'élaboration d'un plan d'action en faveur du développement de la lecture, dont le but est de réduire les inégalités dans l'accès à l'écrit, à la lecture et à tout type de médias, avec l'intention d'intervenir dans des zones rurales ou auprès des publics qui sont généralement le plus éloignés du livre. Ces contrats reposent sur un cofinancement entre la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, et une ou plusieurs collectivités. Dans notre cas, c'est donc la communauté d'agglomération de Saint-Dié-Vosges. La méthodologie consiste en un diagnostic, la tenue régulière d'un comité de pilotage et une évaluation finale. Depuis le 1er janvier 2018, date de la prise de la compétence lecture publique, les médiathèques intercommunales de Saint-Dié-des-Vosges, alors il s'agit de la médiathèque Victor Hugo et Jean de la Fontaine, les médiathèques de Fraise, Étival Clairefontaine, de Raon-l'Étape et de Sonone forment un réseau autour du projet des médiathèques intercommunales, en projet donc La Boussole. L'objet de la convention qu'on vous propose de signer est de lutter contre les inégalités territoriales dans l'accès à la lecture. Alors, à travers ce contrat, la communauté d'agglomération s'engage à mettre en œuvre, avec le soutien de l'État, un certain nombre d'actions pour réaliser les objectifs principaux du CTL, donc du contrat territoire lecture. On s'engage donc à structurer le réseau intercommunal pour une meilleure offre à l'échelle du réseau et un égal accès au réseau des habitants de l'agglomération. Alors il s'agit pour améliorer les offres d'harmoniser les pratiques des médiathèques, coordonner les bibliothèques avec une dynamique de réseau, structurer l'offre de lecture publique, définir une orientation pour chacune des bibliothèques du réseau et les faire évoluer. Donc il s'agit aussi d'initier de nouvelles actions ou de redéfinir des actions existantes en direction de tous les publics, y compris les plus éloignés de la culture. Un programme d'action sera proposé chaque année pour répondre aux objectifs de ce contrat, notamment offrir un accès à la culture et à l'action via le livre et tout type de médias. L'objectif étant bien la maîtrise et l'acquisition des savoirs. Il s'agit de valoriser et s'approprier également le patrimoine écrit par tous les habitants, d'animer le territoire et de développer et s'approprier les outils numériques. Donc, on s'engage également à développer les partenariats en associant les divers acteurs locaux du champ social et culturel, en faisant une place importante au dispositif de l'éducation artistique et culturelle en lien avec les acteurs culturels, notamment le conservatoire Olivier Douchin, conservatoire de musique, et l'espace Georges Sadoul. La mise en valeur du patrimoine écrit sera donc un enjeu central, avec la contribution au réseau L'Immédia Galerie, c'est la bibliothèque numérique de référence du sillon lorrain. Elle sera un support privilégié pour toutes les actions de médiation qui seront mises en place, ainsi que la collaboration avec les sociétés savantes locales, et je pense en particulier à la société philomatique vosgienne. Donc pour ce contrat fixe le mode de gouvernance et de coordination. Alors, ce qui est important aussi à souligner, c'est la nécessité d'avoir un chef de projet qui est coordinateur et un comité de pilotage qui va pouvoir suivre l'évolution de ce projet. La durée du contrat est fixée à 3 ans et ce contrat pourra d'ailleurs faire l'objet d'une reconduction si nécessaire sur la base d'un nouveau diagnostic. Les conditions financières sont une subvention annuelle de la DRAC qui est fixée chaque année en fonction des projets et qui s'élève à maximum à 50% du montant des projets. Et ce contrat fera l'objet d'une évaluation régulière et un bilan avant le terme de la convention. Donc voilà, il est proposé de signer cette convention avec l'État dans le cadre du contrat territoire lecture. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Madame la Vice-Présidente. Y a-t-il des demandes ? Donc on a bien compris que c'était l'un des deux contrats que vous avez présentés tout à l'heure. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant concerne l'étalement de la durée des charges liées aux assurances dommages ouvrages de la boussole. Je donne la parole à Monsieur le Premier Vice-Président. Merci.
Donc, dans le cadre de la construction de la boussole, médiathèque intercommunale, la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges met en place un contrat d'assurance dommage-ouvrage. La garantie prendra fin à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux. Cette assurance dommage-ouvrage est une dépense de fonctionnement, chapitre 11, charge à caractère général, qui se rapporte à une opération d'investissement. Conformément à la nomenclature budgétaire et comptable, il est donné la possibilité d'étaler sur la durée de la garantie décennale les charges liées aux assurances dommage-ouvrage. Ce qui est totalement... c'est facile à expliquer pourquoi c'est très, très important pour nous. Il est donc proposé de procéder au lissage des charges liées aux assurances dommage-ouvrage dans le cadre de la construction de la médiathèque sur la période 2020-2029. Donc d'étaler la charge relative à l'assurance... d'un montant total de 125 612,06 € sur 10 ans, soit 12 571 € par an à compter de l'exercice 2020. Donc il nous faut délibérer dans ce sens-là pour qu'on puisse construire le budget de cette manière. Merci, Monsieur le Vice-président. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Oui, Monsieur le maire de Senones et conseiller communautaire, vous avez la parole. Juste savoir sur quel montant il a été pris cette assurance dommage ouvrage. 1% du montant pris en compte. Oui, hein, oui, mais ça ne me donne pas le montant total de l'opération. 125 000 dans l'autre sens, ça fait 12 500 et quelques mille. Donc c'était le chiffre de départ, pas le chiffre actuel. Ça, j'ai besoin de toi, je ne le connais pas encore. C'est le chiffre d'aujourd'hui, oui, d'aujourd'hui, avec la maîtrise d'œuvre intégrée. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Il n'y en a pas. On peut donc passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient sur cette garantie décennale ? Il y a donc une abstention. Merci à vous. Le point suivant concerne une convention avec la Ligue de l'enseignement relative au dispositif local d'accompagnement. Je donne la parole à Madame la vice-présidente déléguée à la transition écologique et solidaire. Vous avez la parole, Madame la vice-présidente. Merci, Monsieur le Président. Donc, le dispositif local d'accompagnement a été créé en 2002 par l'État, la Caisse des dépôts et le soutien du Fonds social européen pour accompagner les structures d'économie sociale et solidaire et les accompagner surtout dans leur démarche de création, de consolidation et de développement de l'emploi. Pour la région Grand Est, le dispositif local d'accompagnement est porté par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et dans un souci de proximité, il est décliné en DLA départementaux. Et dans les Vosges, ce dispositif est confié à la Ligue de l'enseignement. Ce dispositif est cofinancé par la Banque des territoires, la Direct, la région Grand Est. Pour la période de 2020 à 2022, d'autres financeurs ont été sollicités en complément, donc la Caisse d'allocation familiale, le département et les communautés d'agglomération, donc de Saint-Dié et d'Épinal. Pour un petit rappel, ce dossier est assez vieux, on en a parlé déjà en 2019, donc le 18 mars, on a reçu un courrier présentant donc le dispositif local d'accompagnement et nous demandant une rencontre. Il y a eu une rencontre le 11 juillet 2019 avec les anciens vice-présidents qui avaient en charge ce domaine, Pascal Guy et Serge Alem. Le 16 octobre, nous avons eu un courrier à nouveau sollicitant un accord de principe pour le soutien financier. Le 29 octobre 2019, nous avons évoqué ce sujet en bureau communautaire. On a débattu sur ce sujet, on a eu quelques interrogations. Et on a tiré quelques points d'attention, donc le bureau était d'accord pour soutenir ce projet, comme je vous ai dit, en étant vigilant, en faisant attention à ce que les associations n'aient pas plusieurs DLA à la suite l'un de l'autre, que ce soit vraiment des aides apportées à des structures ou nouvelles ou qui en ont besoin, qui n'en ont pas eu depuis des années. Ou alors qui n'ont pas bénéficié d'autres aides. On ne veut pas un cumul des aides, quoi. Puisqu'on s'était rendu compte qu'il y avait quelques structures qui, tous les deux ans, avaient un DLA. Et le 29 juillet 2020, il y a eu un courrier sollicitant la signature de la convention.
Donc, il est proposé au Conseil communautaire une convention pluriannuelle 2020-2022 précisant le montant de la contribution allouée par la communauté d'agglomération de Saint-Dié. Donc, on serait à un montant de 10 900 euros en complément d'autres financements publics. Donc, l'objectif, je vous le rappelle, c'est d'aider à pérenniser l'emploi dans les structures de l'économie sociale et solidaire. Il y a plus de 500 associations présentes sur le territoire de la communauté d'agglomération de Saint-Dié, ce qui fait le territoire l'un des bassins les plus importants de l'économie sociale et solidaire dans le département des Vosges. Le soutien des communautés d'agglomération et de la CAF en complément des autres aides publiques doit permettre l'augmentation du nombre de diagnostics et d'appuis en ingénierie, ainsi qu'un meilleur accompagnement dans leur développement pour pérenniser, voire créer des emplois. Alors, depuis son implantation en 2014 au sein de la ligne de l'enseignement, le DLA a accompagné plus d'une soixantaine de structures d'économie sociale et solidaire. Parmi elles, 12 sont implantées sur le territoire de notre agglomération, dans différents domaines, donc dans le domaine de l'insertion et de l'emploi, il y a la mission locale, la DALI, les Jardins de Galilée, CELIA. Dans le domaine de la formation, de l'animation sociale et de l'éducation, il y a la maison familiale et rurale, il y a Horizon 2000. Dans le domaine de la culture et de la solidarité, il y a la série du Lensois. Et dans le domaine du logement, il y a l'ADAGE et le CLAGE. Et le dispositif local d'accompagnement a également été sollicité pour accompagner le collectif MIRA, qui, je vous rappelle, regroupe Manudeo, l'ARES, Intendeo, l'ADALI et Maüs, pour se structurer. Donc, il vous est demandé d'accepter de soutenir le dispositif local à hauteur de 10 900 euros. Merci, Madame la Vice-Présidente. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Il s'agit d'aide donc aux associations. Le point suivant concerne une délibération sur l'information, sur le droit à l'information des élus. Et je crois qu'il y a une petite modification par rapport à la délibération telle qu'elle avait été rédigée. Madame la vice-présidente déléguée aux ressources humaines, à la formation et à l'enseignement supérieur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme tous les élus, les conseillers communautaires ont droit à une formation afin d'acquérir compétences et connaissances qui vont les aider à exercer leur mandat. Donc, il s'agit ici de délibérer sur les thèmes des formations, sur les modalités d'exercice de ce droit à la formation et sur le budget qui lui est alloué. Alors, concernant les thèmes, il est proposé les orientations suivantes. Donc, des formations portant sur le développement durable et ses enjeux concernant les politiques locales. Des formations portant sur tous les thèmes de la gestion locale, sur le fonctionnement institutionnel des collectivités, des formations en lien avec les délégations ou les thèmes des commissions auxquelles vous appartenez, des formations portant aussi sur le développement personnel de l'élu, c'est-à-dire la prise de parole en public, l'animation de réunions, la maîtrise des outils numériques ou bureautiques. Concernant les modalités de mise en œuvre de ces formations, les élus devront informer par écrit le président des formations qu'ils souhaitent suivre afin qu'on puisse élaborer un plan de formation, voir s'il y a des mutualisations possibles ou l'organisation, par exemple, de stages collectifs et qu'on puisse inscrire les crédits qui lui sont donc nécessaires. Enfin, il est proposé de plafonner à 16 600 euros le montant total des dépenses de formation. Voilà. Merci, Madame la Vice-Présidente. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Il n'y en a pas. Nous pouvons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant concerne la modification du tableau des effectifs. Vous avez à nouveau la parole, Madame la Vice-Présidente. Merci. Donc, il s'agit de modifier le tableau des effectifs de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. On note 7 suppressions de postes, dont 3 correspondent à des départs en retraite et 4 sont liées à des modifications de quotité de travail. Parallèlement, on note 8 créations de postes dans la filière administrative, 7 dans la filière technique et 2 dans la filière culturelle. Ces suppressions et ces créations de postes modifient donc le tableau des effectifs. Vous avez le tableau dans les livrets.
les modifications du nombre de postes apparaissent surlignées en rouge, en jaune, pardon, dans le tableau, hein, filière par filière. Si on fait le calcul total, on compte aujourd'hui 298 postes, hein, si j'ai bien compté, à ce jour au sein de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Il s'agit donc d'autoriser le président à procéder au recrutement lié notamment aux créations de postes. Sachant qu'ils ne sont pas tous pourvus, hein, évidemment, il y a des cadres d'emploi qui sont créés. Par exemple, quand on recrute des personnes sans savoir à quel grade elles seront recrutées, parfois on crée deux postes et on ne le supprime pas tout de suite parce que pour un poste suivant, on pense qu'on aura peut-être ce grade qui se présentera. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Non. Oui, Christian. Non. Maintenant, si vous regardez dans le tableau, il y a des temps non complets, il y a des temps complets. C'est 298 postes en tout dans le tableau. Et vous ne savez pas qu'est-ce que ça fait en temps complet ? J'entends pas. En équivalent temps plein. Non, je n'ai pas le détail, là. On pourra te le donner à la prochaine séance. Oui, non, mais ça doit être 223, je crois, ou quelque chose comme ça. On te le donnera à la prochaine séance. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur ce sujet ? Il n'y en a pas. On peut donc passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant concerne la protection fonctionnelle d'un agent. Madame la vice-présidente, vous avez à nouveau la parole. Oui, merci. Donc, il se trouve que le 8 juin 2020, un agent de la communauté d'agglomération qui fauchait les accotements sur une portion de la voie verte s'est trouvé agressé par un automobiliste. Il est donc allé déposer plainte et demande à la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges de lui accorder ce qu'on appelle la protection fonctionnelle auquel il a droit pour bénéficier éventuellement d'une assistance juridique et couvrir les frais potentiels si cette affaire était portée en justice. Ce qui n'est pour le moment pas le cas, les dernières informations que j'ai. Merci, Madame la vice-présidente. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est donc adopté. Le dernier point à l'ordre du jour concerne la communication des décisions prises par le président et le bureau communautaire. Alors, s'agissant des marchés publics dans le cadre des délégations, a été attribué un marché public de travaux pour l'aménagement d'aires de camping-car à Étival-Clairefontaine et à Senon. Lot 1, aménagement d'une aire de camping-car à Étival-Clairefontaine, VRD, ce marché a été attribué à l'entreprise Colas pour un montant de 76 693 euros. Lot 2, aménagement d'une aire de camping-car à Senon, VRD, ce marché a été attribué à l'entreprise Colas pour un montant total de 139 968,50 euros hors taxes. Lot 3, équipement des aires de camping-car d'Étival Clairefontaine et Senon, mobilier et électricité. Ce marché a été attribué à l'entreprise Colas pour un montant de 95 500 euros hors taxe. Un marché public de travaux a également été attribué pour l'aménagement de la zone d'activité économique des Aulnois à Senon. Ce marché a été attribué à l'entreprise Colas pour un montant total de 183 869 euros hors taxe. Un marché public de réalisation de fouilles archéologiques préventives sur les vestiges du château de Pierre-Percé a été attribué à l'Institut national de recherche en archéologie préventive pour la tranche ferme phase 1 fouille et phase 2 rapport plus prestation de médiation pour un montant de 136 106,90 euros et pour la tranche optionnelle réalisation d'une fouille complémentaire de 10 jours pour un montant de 35 170,88 euros hors taxe. Enfin, un marché public de prestations intellectuelles a été attribué pour l'intermédiation au financement participatif. Donc, c'était pour l'acquisition d'équipements pour les soignants, pour permettre à ceux qui souhaitaient de se mobiliser et de faire bénéficier de leur solidarité les soignants. Donc, ce marché a été attribué à la SAS Urbanis Finance pour un montant de 674,32 €. Sachant que ça représente 1,5% du montant collecté, puisqu'on a réussi en quelques jours à mobiliser 37 462 euros à l'échelle de l'agglomération. Lors de la dernière séance du Conseil communautaire, on a un peu de retard, je ne vous avais pas communiqué les déclarations d'intention d'aliénés qui avaient été signées dans la première partie de l'année, entre au mois de février, mars, avril, mai et juin.
Évidemment, il y en a moins que d'habitude, puisque pendant la période du Covid, les affaires immobilières se sont un peu ralenties et se sont, vous le savez tous, très grandement accélérées depuis. Donc, pour la période concernée, j'ai signé 215 déclarations d'intention d'aliénés, 2 pour la commune d'Alarmont, 12 pour la commune d'Anoult, ça correspond à des ventes, hein. 7 pour la commune de Bandes-Lavelines, 4 pour Bans-sur-Meurthe-Clevecy, 2 pour Coinche, 4 pour Corcieux, 7 pour Étival-Clairefontaine, 10 pour Fraisse, 3 pour Gerbépal, 3 pour la chapelle de Vambruyère, 2 pour la Croix-aux-Mines, 1 pour la Houssière, 1 pour la Voivre, 1 pour Luce, 2 pour Mandray, 12 pour Moyen-Moutier, 2 pour Nompatelise, 2 pour la Petite Raon, 9 pour Plainfin, 7 pour Provenchard et Colleroy, 23 pour Raon-l'Étape, 55 pour Saint-Dié-des-Vosges, 10 pour Sainte-Marguerite, 6 pour Saint-Léonard, 2 pour Saint-Michel-sur-Meurthe, 12 pour Sautilly-sur-Meurthe, 8 pour Senones, 5 pour Tintru et 1 pour Vizembas. Ensuite, pour les décisions du bureau communautaire décisionnel, donc il y en a eu deux, un le 23 juillet 2020, pendant lequel on a désigné les représentants de la communauté d'agglomération au sein de l'établissement vosgien d'optimisation des déchets par l'innovation et l'action, Evodia, anciennement syndicat mixte des déchets, ont été désignés comme délégués titulaires M. Jacques Valence, M. Bernard Ropp, M. Jean-Pierre Quinanzoni, M. Claude Georges, M. André Boulangeau, Mme Brigitte Henry, M. Alex Comadina et M. Jean-Marie Van Der Cher. Ont été désignés comme suppléants M. Jean-Luc Thirier, M. Jean-Marie Nicole, M. Lionel Leclerc, M. Julien Pierre Alabol, M. Pierre Chachet, M. Philippe Salerio, M. Jean-Claude Courrier et M. Gérard Roudou. On a également décidé d'adhérer à l'ASCOMAD, Association des collectivités pour la maîtrise des déchets et de l'environnement. On a adhéré à une convention constitutive d'un groupement de commandes pour la location et la maintenance d'un système de reprographie, de numérisation et d'impression numérique avec l'Office de tourisme intercommunal, la Caisse des écoles, le Centre communal d'action sociale et la ville de Saint-Dié-des-Vosges. On a désigné un administrateur au conseil d'administration de la Société Lorraine d'économie mixte et d'aménagement urbain, la Solorem, et c'est moi qui ai été désigné. On a désigné des représentants au sein de l'Agence de développement économique des Vosges. Sachant que je suis membre de droit, on a donc désigné M. Benoît Pierra et M. Claude Georges. On a renouvelé l'adhésion de l'agglomération à la mission locale pour l'emploi des jeunes du bassin de Saint-Dié-des-Vosges et des Hauts-de-Vosges. Et on a désigné des représentants qui sont Mme Caroline Le Rognon, Mme Françoise Degrand, M. Benoît Pierra, Mme Virginie Lalvé, Mme Carole Trarbach et M. Bruno Toussaint. Comme délégué suppléant, M. Jean-Pierre Quinanzoni, M. Nicolas Simon, M. Philippe Salerio, M. Denis-Henri de Bifontaine, Mme Marie-Claire Delmastro et M. Patrick Vouriot. On a également désigné des représentants de la communauté d'agglomération à l'Agence de développement et d'urbanisme de l'agglomération strasbourgeoise, l'ADEUS. Ont été désignés M. Jacques Jallet et M. Jean-Marie Van Der Cher. Nous avons décidé de revaloriser les tarifs liés à l'instruction préalable des autorisations d'occupation des sols à 130 euros pour les communes membres de la communauté d'agglomération et à 140 euros pour les communes non membres et 150 euros s'ils choisissaient l'attestation de conformité. Nous avons désigné un représentant au sein de la commission départementale consultative des gens du voyage, c'est M. Serge Alem qui a été désigné. Un représentant au conseil d'administration du toit vosgien, c'est M. Serge Alem qui a été désigné. Nous avons désigné des représentants au sein du syndicat mixte d'aménagement des lacs de Pierre-Percé et de la Plaine. Ont été désignés moi-même, M. Claude Georges, M. Patrick Lalvé, M. Benoît Pierrat, M. Denis Guyon, Mme Christine Riss, Mme Delphine Ducret, Mme Marie-Christine Régnier, M. Pierre Sarrazin, Mme Gina Filogonio, M. Moustapha Guglu et Mme Carole Trarbach. Ont été désignés comme membres suppléants Mme Caroline Le Rognon, M. Julien Pierre Alabol et M. Denis Henry de Raon-sur-Plaine. Nous avons également désigné un représentant au sein du groupe d'intérêt public immédiat, donc c'est pour la bibliothèque numérique de référence, dont a parlé Mme la vice-présidente déléguée à la culture, aux grands événements et à la mémoire. C'est Mme Claude Kinner qui a été désignée. Nous avons également désigné des représentants au comité syndical du syndicat mixte départemental d'assainissement non collectif, le SDANC 88. Ont été désignés 10 délégués titulaires, M. Jacques Valence, M. Jacques Jallet, M. Patrick Villot, M. Patrick Zanqueta, M. Jean-Louis Ropp, M. Denis Huin, M. Jean-Claude Hugny, M. Gérard Roudot, M. Denis-Henri de Bifontaine et M. André Boulangeau. Comme délégués suppléants, 10 délégués, M. Laurent Paris, M. Dominique Duhaut, M. Bernard Thomas, M. Denis-Henri de Raon-sur-Plaine, M. Jacques Locatelli, M. Jacques Guyot, M. Emmanuel Laurent, M. Philippe Salerio, M. Patrick Herriot et M. Jean Rabolt. Nous avons également désigné des représentants au syndicat départemental d'assainissement autonome de Meurthe-et-Moselle. Ont été désignés pour la commune de Bionville, M. Francis Schnita, comme suppléant M. Christian Sandre. Pour la commune de Pierre-Percé, M. Denis Guyon, comme suppléant M. Jean-Paul Mangin. Pour la commune de Raon-les-Loups, M. Étienne Maire, suppléant M. Willy Meyerhoff.
Nous avons en même temps déposé une demande de retrait du syndicat départemental d'assainissement autonome de Meurthe-et-Moselle, mais désigné quand même les représentants pour qu'ils puissent voter le retrait, puisqu'on va pouvoir rejoindre le SDANC des Vosges. Nous avons décidé d'adhérer à l'agence technique départementale pour pouvoir continuer les opérations qui étaient suivies par elle dans le cadre des aménagements d'eau et d'assainissement. Nous avons désigné des représentants syndicats intercommunal d'épuration de Clairu, donc ça concerne dans notre agglomération Raon-l'Étape, et choisi pour cela M. Benoît Pierrat, M. Jean-Louis Rope, M. Patrick Zanqueta, M. Gérard Roudeau, M. Philippe Salario et comme délégué suppléant M. Julien Pierre-Labolle. Nous avons également désigné des représentants l'établissement public territorial de bassin Meurthe-et-Madon, le PTB, et nous avons désigné comme délégué titulaire M. Aurélien Banset, Mme Françoise Legrand, M. Philippe Salério, M. Jean-Marie Vondercher, Mme Brigitte Henry, M. Claude Georges. Nous avons décidé d'acquérir un terrain à Bionville pour l'espace naturel sensible de la Plaine, d'adhérer au groupement des autorités responsables de transport, le GART, désigné des représentants au parc naturel régional des Ballons des Vosges. C'est une décision qui a été donc modifiée. Donc M. Jacques Nicole, Mme Françoise Legrand, M. Patrick Lalvé, M. Aurélien Banset, et comme suppléant, M. Steve Brenet, Mme Annabelle Soudière, M. Jean-Pierre Quinanzoni et Mme Sylvie Févé, avec comme délégué titulaire, au départ c'était M. Emmanuel Laurent, et donc M. Jacques Nicole comme titulaire, maire de Bertrimoutier, et Mme Françoise Legrand comme suppléante. Nous avons également désigné un représentant au sein de la Société anonyme d'économie mixte de Belfeuilly, donc ça concerne la société qui perçoit les revenus des éoliennes qui sont situées sur les communes de la Grande Fosse, de Chata et de Salles. Voilà. Sachant que d'autres communes, bien sûr, ont participé au projet. Donc c'est Mme Françoise Legrand qui a été désignée comme représentante, sachant que les communes, évidemment, intéressées y siègent. Nous avons désigné un représentant au sein de l'association Les Jardins de Galilée, c'est Mme Françoise Legrand qui a été désignée. Désigné des représentants au sein de l'établissement et services d'aide par le travail du Val de Galilée, l'ESAT du Val de Galilée. C'est Mme Françoise Legrand, Mme Jacqueline Pellet de Mangea, Mme Rachel Voinçon, Mme Caroline Leronion, Mme Charlène Prince et Mme Annabelle Soudière qui ont été désignées. Nous avons décidé d'adhérer au Comité national d'action sociale et désigner Mme Annabelle Soudière en qualité de déléguée élue et comme déléguée agent M. Romuald Rimoldi. Nous avons décidé de mettre à disposition des agents de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, plutôt acceptés au profit de la communauté d'agglomération. Donc ça concerne Mesdames Fontana, Atmaca et Cartal. Nous avons signé une convention de mise à disposition partielle d'un agent de la commune d'Alarmant au profit de l'agglomération pour la MSAP d'Alarmant, c'est Mme Fischer. Signé également une convention de mise à disposition d'un personnel de l'agglomération vers l'office de tourisme. Alors plusieurs en fait, puisque tout le personnel de l'office de tourisme est du personnel agglomération mise à disposition, 14 personnes. Recruter un volontaire en service civique pour le musée Pierre Noël. Demander une subvention de la DRAC pour le financement d'un poste d'agent de récollement. Demander une subvention de la DRAC pour l'achat de matériel de conservation, transport et prise de vue pour le musée. Demander une subvention de l'État pour la numérisation du patrimoine écrit de la médiathèque intercommunale de Saint-Dié-des-Vosges. Demander une subvention pour des travaux sur les réseaux d'eau de Raon-l'Étape. Désigner des représentants à l'Agence de développement des territoires Nancy-Sud-Lorraine-Scalen. Et nous avons donc désigné M. Jacques Jallet, qui siégera au conseil d'administration, et M. Serge Allem. Nous avons également tenu un bureau communautaire décisionnel le 4 septembre 2020. Nous avons décidé de créer 9 commissions thématiques pour lesquelles vous avez été sollicité pour vous formuler 3 vœux, respectivement commission déchets, commission développement économique et touristique, commission culture et mémoire, commission cohésion territoriale et ruralité, commission transition écologique et solidaire, commission urbanisme, habitat et logement, commission solidarité, commission sport et vie associative, commission finance et travaux. Nous avons désigné un représentant de l'agglomération au sein de la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan régional de prévention et de gestion des déchets, M. Claude Georges. Nous avons désigné un représentant au sein de la société SPL-XDMAT, donc c'est pour la dématérialisation, beaucoup connaissent ici, donc c'est M. Moustapha Guglu qui a été désigné. Nous avons désigné des représentants au sein du comité de Massif des Vosges, donc c'est M. Patrick Lalvé comme titulaire et Mme Brigitte Henry comme suppléante qui ont été désignées. Nous avons désigné des représentants au sein du comité de programmation leader du pays de la Déodacie. C'est M. Aurélien Banset qui a été désigné comme délégué titulaire, M. Bruno Toussaint également, M. Serge Allem, M. Denis Henry de Raon-sur-Plaine et M. Christian Cahel avec comme suppléant Mme Delphine Ducret, Mme Claude Kinerme, M. Patrick Zanqueta, M. Marc Malédu et M. Philippe Salério. Voilà, nous avons désigné également des représentants syndicats mixtes de parcs d'activité de Grand Rue. Vous savez, c'est la zone d'activité qui entre Raon-l'Étape et Bertrichamps, sur laquelle l'essentiel du terrain est alloti du côté de Raon-l'Étape.
Donc ont été désignés comme titulaires M. Benoît Pierrat, M. Claude Georges, M. Denis Guyon, M. Philippe Salerio, M. Jean-Marie Vandercher, comme suppléants, M. Patrick Zanqueta, Mme Delphine Ducret. Nous avons également désigné des représentants au syndicat mixte des arts vivants, le SMAV. Ont été désignés comme délégués titulaires M. Stéphane Demange, M. Christian Cael, Mme Virginie Lalvé, Mme Catherine Lecomte, Mme Claude Kiner, Mme Edith Augusto, Mme Caroline Lerognon, M. Denis Henri de Bifontaine et M. Jean-Luc Thirier pour représenter l'agglomération au sein de ce conseil d'administration. Et comme délégué suppléant, ça a été modifié, M. Mathieu Collin, Mme Edith Collin et M. Fabrice Rebello-Goncalves. M. Michel Feutet ne représentera plus l'agglomération au sein de ce conseil d'administration. A également été décidé le recrutement d'une volontaire en service civique pour la salle d'actualité à la médiathèque intercommunale Victor Hugo. Une demande de subvention à la DRAC pour la création du fonds documentaire de la future médiathèque intercommunale La Boussole. Une demande de subvention pour l'informatisation et la numérisation des collections naturalistes au musée Pierre Noël. Une demande de subvention pour la saison culturelle 2021 du spectacle vivant. Ont été arrêtés les tarifs 2020-2023 des accueils de loisirs sur le secteur des abbayes, de la Fave et de Fave de Meurthe-Galilée. C'est les seuls secteurs sur lesquels, je vous rappelle, nous exerçons la compétence enfance. Et ça n'avait pas été compensé. La désignation des représentants au sein de l'association Archipel, donc Mme Caroline Lerognon et Mme Carole Trarbach. Nous avons désigné des représentants au sein du parc naturel régional des Ballons des Vosges, donc ça c'est la décision modificative que j'ai évoquée tout à l'heure. Désigné des représentants au sein de l'association Amorce, c'est M. Claude Georges qui a été désigné comme titulaire, M. Bernard Ropp comme suppléant. Désigné un représentant au sein de l'association Site et Cité Remarquable de France, c'est Mme Claude Kiner qui a été désignée comme titulaire et M. Stéphane Demange comme suppléant. Pour l'association de la Syrie du Lensoir, c'est Mme Claude Kiner qui a été désignée comme titulaire et M. Stéphane Demange comme suppléant. Pour le comité de pilotage du site de la Halière à Celles-sur-Plaine, ont été désignés comme représentants Mme Claude Kiner, M. Stéphane Demange, M. Patrick Lalvé, M. Denis Guyon et M. Philippe Salerio. Pour le comité de gestion du centre d'interprétation et de documentation 14-18 de Pierre Percé, la Ménel, ont été désignés comme représentants M. Denis Guyon, Mme Claude Kiner et M. Stéphane Demange. Pour l'ATD, l'Agence technique départementale, a été désigné comme représentant M. Jean-Louis Ropp. Nous avons décidé donc de l'amélioration de la gestion du service et du rendement du réseau potable de la commune d'Alarmont, donc lancé une demande de subvention auprès du conseil départemental et de l'agence de l'eau Rameuse, lancé le même type d'opération pour la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable de la commune de Saint-Rémy et également effectué des demandes de subvention auprès du conseil départemental et de l'agence de l'eau Rameuse. Nous avons lancé une étude de sécurisation de l'approvisionnement en eau potable des unités de distribution du secteur de la Fave. Et demander des subventions auprès du conseil départemental des Vosges et de l'agence de l'eau Rameuse pour réaliser cette étude. Nous avons sollicité des subventions auprès de l'agence de l'eau Rameuse pour la mise en œuvre des filières alternatives de traitement des boues des stations de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Nous avons arrêté les tarifs et redevances des usagers des régies eau et assainissement au titre de l'année 2020. C'était un léger correctif. Nous avons signé une convention de mise à disposition partielle d'un agent au profit du PETR du pays de la Déodacie. Ça concerne M. Olivier Thiel. Nous avons mis à jour le RIFSEP, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour les différents agents qui sont concernés. Et voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions sur une de ces délibérations du bureau communautaire ? Voilà à quoi vous avez échappé. Et donc à des conseils communautaires qui seraient encore plus longs. Merci à vous tous de votre participation et à très vite dans les commissions. Puis à nouveau pour le conseil communautaire de la prochaine fois qui devrait avoir lieu, je crois, le lundi 12 octobre. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous.